C'est quelque chose lié au travail. Le diable veut vous empêcher seulement de travailler. Il y a juste une collaboration des gens dans un lieu du travail. C'est quelque chose qu'ils ont jeté de spirituel. Vous devez juste prendre l'autorité sur vous. Et dire à Dieu de vous libérer. Et quant à nous, l'Église, nous allons dire ceci. Que mon corps n'est pas un dépôt. Personne ne jettera les mauvais sorts. Prions au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu te restaure. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur apporte un changement total. La guérison au nom de Jésus-Christ. Je condamne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus Christ, que cette puissance maléfique quitte, plus jamais on parlera de cela. Que Dieu apporte le changement en vous. Vous pouvez rentrer, que Dieu vous protège. Vous pouvez rentrer. Priez, battez les mains, priez. Omba, on a piga ma kofi. Homba, kanisa tuombe. Hakika wewe ni baba, Yesu wa huruma. Sing, John. Homba, piga makofi. Hakika wewe ni Mungu, hakika wewe ni Baba, hakika wewe ni Mungu, hakika wewe ni Baba, hakika wewe ni Mfalme, utendaye maajabu. Hakika wewe ni Yawe, utendaye maajabu. Ni wewe unayetendea watu mambo ya ajabu. Ni wewe unayetuponya. Ni wewe unayetuponya. Ni wewe Bwana. Pray. Ni wewe nitembea,
ni wewe, 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 ni wewe. Listen, sorry. Listen. Ouvrez toujours nos deux mains et puis je vais prier. Tutaomba tena. Ouvrez seulement vos deux mains, moi je vais prier. Fungua tu mikono yako miwili, nataka niombe. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Souffle un vent de la vie. Poleza pumzi ya uzima. Un vent de gloire parmi nous. Pumzi ya utukufu miongoni mwetu. Que nous soyons maintenant communier, que nous soyons unis avec les ciels. Ili tuwe na ushirika na kuungana na mbingu. Que nous soyons à l'intimité avec Dieu. Tuwe na ushirika na Mungu. Quand disparaissent toutes pensées de la chair. Wakati mawazo yote ya binadamu yatakapopotea. Mawazo yote ya kibinadamu. Tunakuomba Baba uwe nasi. De nous orienter, Père. Na kutuongoza Baba. De nous enseigner. Na kutufundisha. Ce moment est particulier. Mda huu ni mda wa kipekee. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. Roho Mtakatifu atuongoze. Seigneur, tu aimes toujours lorsque les hommes se réunissent autour de ta parole. Baba, unapenda daima watu wanapokutana kwenye neno lako. Tu ne cesses de déverser la gloire parmi nous. Na uchoke kumimina utukufu. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Déverse la part de la connaissance. Mimina ujuzi. Que nous soyons tellement transformés en ce moment. Que nous soyons tellement communiés avec les cieux. Oh, Jésus Christ. Éternel Dieu. Baba Mungu wa milele. Que ce moment soit précieux pour nous. Mda uwe mda mzuri kwetu. Accompagne-nous par des signes de miracles. Baba utujie kwa miujiza na ishara. Par des choses qui dépassent l'attendement des hommes. Kwa mambo yanayopita akili za wanadamu. Selon la puissance de ta vérité. Nguvu za kweli yako. Père éternel Dieu des armées. Baba Mungu wa milele. Nous voulons vraiment profiter de ce moment. Tunataka kutumia mwanya huu. Wakati tutatoka ibadani. Tutasema kwamba Mungu alikuwa na sisi. Kwamba mbingu zilikuwa na sisi. Kwamba mbingu zilikuwa tayari. Kwamba mbingu zilikuwa hapa. Seigneur Jésus Christ. Bwana Yesu Kristo. Seigneur Jésus Christ. Bwana Yesu Kristo. La parole que nous voulons écouter soit une parole éternelle. Neno ambalo tutatamani kusikia liwe neno la milele. Nous ne voulons pas écouter un message éphémère. Na sio neno tu kama la kawaida. De vérité qui passeront. Neno au kweli ambazo zitapita. Nous voulons écouter des vérités qui resteront éternellement. Lakini tunataka kusikia kweli itakayobaki. Qui sera ancré dans nos esprits. Ambayo itazama katika roho zetu. Après notre mort sur la terre. Baada ya mauti yetu duniani. Que nous puissions nous retrouver éclairés par la vérité. Tukute kwamba tumeangaziwa na Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo. Mimina kila aina ya karama miongoni mwetu. Kila aina ya neema. Toutes sortes de puissance. Kila aina ya nguvu. Toutes sortes d'onction. Kila aina ya upako. Accorde-nous ce que tu as résolu. Tupe kile ulichotamani kutupa. Wacha Bwana tupokee kitu fulani kutoka mbinguni. Kila mmoja wetu apokee kitu kutoka juu. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tupe karama. Neema, uweza wa kiroho. Bwana atujui ni kipi ambacho tunapaswa kuomba. Lakini roho anajua kile ambacho roho zetu zinahitaji. Wakati mwingine haja katika mioyo zetu haziambatani na mapenzi ya Mungu. Oh Yesu Kristo. Père éternel. Baba wa milele. Laisse que ce moment soit précieux.
Alors que je vois les mains levées, Seigneur, ce peuple a besoin de quelque chose. Qu'il reçoive quelque chose venant de toi. Au nom de Jésus. Gardez silence. Et parlez dans votre cœur. Dis à Dieu de te donner ce qui est précieux. Pendant une minute. Namo dakika moja. Et dans ton sanctuaire, je vois ta majesté. Je crie ma petite soif dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie d'y ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi, les rochers des âges. Le faible mot te sanctifie et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot m'émane, mon cœur ne peut s'éteindre. Et si mon cœur s'éteint, alors mon silence t'adore. Partout dans ton glorieux décor, annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour à moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi, les rochers des âmes, tu me relèves de mes faiblesses et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi, les rochers des âges, le faible mot te sanctifie, mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. On peut acclamer les seigneurs. Payez-moi ma coffee, payez-moi ma coffee. Ok, nous pouvons nous rasseoir. Dieu est tellement merveilleux. Bwana ni mwema sana. Qui est connecté au nom de Mustapha? Nani ana uhusiano na jina la Mustapha? Mustapha. Qui est connecté au nom de Mustapha? Nani ana uhusiano na hilo jina la Mustapha? Qui est connecté au nom de Mustapha? Jina Mustapha. J'exalte ta puissance. Qui est connecté au nom de Mustapha? Nani ana uhusiano na jina la Mustapha? Le faible mot te sanctifie, mon esprit te magnifie.
Seigneur, je te dis merci. Qui a une connexion avec ce nom? Nani ana uhusiano na jina hilo la Mustafa? Le faible mot te sanctifie, mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. La place des expériences spirituelles dans une église locale. Voilà les termes de ce soir. Na fasi ya ushuhuda katika kanisa la mahali. La place des expériences spirituelles dans une église locale. Nafasi ya ushuhuda katika kanisa la mahali. La place des expériences spirituelles dans une église locale. Fasi ya ushuhuda katika kanisa la mahali. Je ne quitte pas ce que j'étais en train de dire. Sitatoka kwa yale niliyokuwa nikiongea. J'insiste beaucoup sur ça. Na sisitiza sana kwa hilo. Je parle de cette connexion là. Nasema aliye na uhusiano na hilo jina. J'insiste sur ça. Le terme de ce soir, c'est la place des expériences spirituelles dans une église locale. Fasi ya ushuhuda katika kanisa la mahali. La place des expériences spirituelles dans une église locale. Fasi ya ushuhuda katika kanisa la mahali. Quelle place l'église doit accorder aux expériences spirituelles? Na fasi gani kanisa linapaswa litoe kwa ushuhuda? Quelle place l'église doit accorder aux expériences spirituelles? Aujourd'hui, j'ai un peu la voix enrouillée, il fallait augmenter un peu le son. Nafasi gani ambayo kanisa inaweze kaupe ushuhuda leo? Sauti yangu si nzuri sana, naomba muongeze sound. Quelle place les expériences spirituelles telles que le témoignage, je ne sais pas, le miracle, le prodige, certaines expériences doivent occuper dans le cœur de l'église locale. Na nafasi hipi aswa ya shuhuda za kiroho kama vile shuhuda, uponyaji, karama. C'est un terme très très important pour nous l'église. Ni somo muhimu sana kwetu kanisa. Vous savez, vous êtes dans un ministère qui est basé sur, qui a une configuration plus dans les expériences spirituelles. Kama mjuavyo, mko katika huduma ambayo ni ya mambo ya kiroho sana. Une configuration des expériences multiples. Huduma ambayo ina picha le ya prophète, shuhuda nyingi. Le prophète Aston, qui est le père principal de la communauté, Nabii Aston ambaye ni baba mkuu wa kanisa hili, est une personne qui a tellement trouvé la grâce devant Dieu. Ni mtu ambaye alipata neema mbele za Mungu. Il a été conduit de nombreuses fois soit à visiter les ciels, l'enfer et plusieurs royaumes. Amebebwa mara nyingi sana kuona mbingu, kuzimu na falme tofauti. Cela veut dire que nous sommes vraiment des églises bâties sur les expériences. Hiyo pia inaonyesha kwamba sisi ni makanisa ambayo tunajengwa kwa shuhuda za kiroho. Mon premier point de contact lorsque je suis venu ici, c'était pour parler du paradis, parler de l'enfer et de plusieurs autres expériences. Na hata safari yangu ya kwanza nilipokuja hapa, ilikuwa kuongea kuhusu paradiso, kuzimu na mengine. Souvent je témoignais, j'ai donné que de témoignages. Na kila mara nilikuja hapa, nilikuwa na shuhudia, natoa tu shuhuda. Clairement, nous le savons bien que cela a tellement fasciné, même modulé notre façon de voir les choses. Na bila shaka hilo lilitugusa na likageuza hata namna yetu ya kuona mambo. Sont ici à l'église, ils sont venus à cause des témoignages. Bila shaka wengi wamekuja hapa kanisani na wameamini kupitia huo shuhuda. Le témoignage a fait un travail monumental. Na tumeona kwamba bila shaka shuhuda imefanya kazi kubwa. À tel point que nous allons constater que plusieurs personnes ici, kiasi kwamba tumeona watu wengi hapa, sont venus ici à cause de dépouillement, surtout parce que le prophète avait témoigné cela. Wamekuja hapa kwa sababu ya utakatifu haswa zaidi sababu nabii alishuhudia hivyo. À part moi, je sais que plusieurs sont passés ici. Na fikiri tofauti yangu huenda kuna wengine wamepita. Ça fait en sorte que nos églises ont toujours ce désir là, après un mois, deux mois, trois mois, il faut toujours témoigner, parler des expériences spirituelles. Sasa hiyo imefanya kwamba kanisa letu liwe na
hiyo shauku kila baada ya mwezi mmoja mbili wapate shuhuda nyingine ya kiroho. Autrefois je parlais avec un pasteur. Nilikuwa nikiongea na mchungaji mmoja. Il m'a dit dans son église il fait plus passer les témoignages pour que les vidéos soient plus suivies sur internet. Eh akaniambia kwamba kanisani kwake anapitisha sana shuhuda ili watu wa kufuatilia video wawe wingi kwenye internet. Ce pasteur a fait vraiment de son ministère comme source de vie de sur YouTube. Yeye amefanya huduma yake iwe kama vile chanzo cha kupata viewers wengi kwenye YouTube. Alors il est tellement dans l'obligation de nous inviter, d'inviter moi plusieurs personnes qui passent dans son église pour donner des témoignages. Lui, c'est pour que les gens viennent et surtout pour qu'il ait plus de vie sur YouTube. Kwa hiyo yeye sasa inabidi anialike mimi, aalike na wengine wenye shuhuda mbalimbali, ila lengo lake kubwa ni kwamba awe na viewers wengi kwenye YouTube na watu waje kanisani kwake kupitia hizo shuhuda. Et j'ai constaté maintenant que les pasteurs ont abandonné la mission primitive. Na nikagundua kwamba wachungaji wameacha sasa kazi mahali. Est-ce que c'était vraiment ça la mission de l'église? Je, ni hiyo kabisa ndo kazi ya kanisa? Est-ce que Dieu nous a appelés sur YouTube ou sur Facebook? Je, Mungu ametuita kwa ajili ya YouTube na Facebook. Est-ce qu'il y a un ministère qui existe qu'on appelle ministère de vie? Je, kuna huduma yoyote duniani ambayo inaitwa huduma ya viewers? Est-ce qu'il y a un ministère de vie? Je, kuna huduma ya viewers wa kwenye mtandao? Nous étions appelés pour garder l'église ou nous étions appelés pour avoir plus de vie sur YouTube? Je, tumeitwa ili tulinde kanisa la Bwana au tumeitwa ili kuwa na viewers wengi YouTube? Donc, même moi qui est votre père, je suis tellement tenté après un temps vouloir tellement témoigner. Pourquoi? Parce que c'est ça la configuration, c'est ça qui a amené les gens à l'église et je m'efforce toujours de répandre, de dispenser les témoignages pour que les gens continuent à écouter les expériences spirituelles. Na hata mimi ambaye ni baba yenu wa kiroho wakati mwingine na jaribiwa hivyo kwamba ni shuhudie sana ili kwamba watu waje kanisani sana kupitia hizo shuhuda. Je me souviens une femme m'a dit autrefois, l'homme de Dieu, toi Dieu t'a appelé que pour donner les témoignages. Na kumbuka mama moja aliniambia wakati fulani, mtumishi wa Mungu wewe umeitwa tu ili kutoa ushuhuda tu. Alors, j'ai ri tellement vraiment j'ai ri beaucoup. Nikacheka sana. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Naomba mnisikilize. Aujourd'hui nous allons parler de la place des expériences spirituelles dans une église locale. Leo nataka tuongee tuone nafasi ipi. Quelle place occupe les expériences dans une église? Shuhuda zina nafasi gani katika kanisa? Avant d'aller loin, kabla ya kwenda mbali, j'aimerais que vous sachiez ceci. Nataka mjue hivi. Que l'expérience est aussi un mot biblique. Kwamba ushuhuda au experiences za kiroho ni mambo ya kibiblia pia. Par définition, expérience. Kwa maelezo, experience au shuhuda, c'est pratique de quelque chose, ni kufanya, ni utendaji wa jambo fulani, ou bien de quelqu'un, au mtu fulani kufanya kitu fulani, épreuve de quelque chose, udhibitisho wa jambo fulani, dont découle un savoir, ambao kupitia huyo hicho kitu watu wanaelimika, une connaissance, watu wanapata elimu, une habitude, tabia fulani, ou bien connaissance tirée de cette pratique. Na kupata ujuzi fulani kupitia kitendo hicho. Experience. Experience. C'est fait de faire quelque chose une fois. Ni hali ya kufanya kitu fulani mara moja. De vivre un événement. Au kuishi kitu fulani. Considéré comme point de vue de son aspect formateur. Na hilo hicho kitu kionekane kama kimemulika hali ya mwandilishi halisi au sura picha halisi ya yule musika wa jambo lenyewe. L'expérience, shuhuda, c'est faire quelque chose plusieurs fois, ni kufanya kitu kimoja mara nyingi, et tirer une connaissance, na kupata ufahamu au maarifa, qui devient comme clé de l'épanouissement et de la formation pour les autres. Na bacho inakuwa kama vile ni ufunguo wa uelewa na kukomaa kwa wengine. Job chapitre 8 le verset 8. Ayubu kitabu cha Ayubu 8:8. 1 Roi chapitre 3 verset 7. Wafalme wa kwanza 3:7.
Ayubu nane nane. Job chapitre 8, vous lisez directement. Basi waulize tafadhali vizazi vya dhamani. Ujitie kiangalia yale. Ujitie kuyangalia yale baba zao walio yatafuta. Amen. Voilà. Et lisez encore 1 roi chapitre 3 verset 7. Tuweke tena Wafalme wa kwanza 3:7. Hein? Oui. Wafalme wa kwanza 3:7. Falme wa kwanza 3:7. Na sasa e Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu. Nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia. Donc ici nous voyons l'expérience. C'est à force de faire quelque chose plusieurs fois. Hapa tunaona ushuhuda ni kufanya kitu kimoja. Par exemple, à force de beaucoup prêcher, kwa mfano, kwa kuhubiri kwingi, au-delà de l'onction, le prédicateur a maintenant une expérience. Zaidi ya kule kuwa na upako, mhubiri sasa ana experience. Je me souviens la première fois que je me tenais devant les gens pour prêcher, j'étais dans les possibilités totales. Nakumbuka mara ya kwanza niliposema mbele ya watu ili kuhubiri nilikuwa siwezi. C'était tellement compliqué. Ilikuwa ni jambo la kipekee. On m'a donné la parole dans cette église. Wakanipa niongee kanisani pale. Je lis un texte de la Bible que je devais expliquer. Nikasoma andiko Biblia ambalo ningeeleza. Je vous rassure que c'était tellement compliqué. Na hakikishia ya kwamba ilikuwa vigumu sana kwangu kuhubiri wakati. C'est des choses que moi-même j'avais écrit. Na ni vitu ambavyo mwenyewe nilikuwa nimeandika. Mais je suis arrivé devant les gens. Lakini nikafika mbele za watu. Je ne savais pas quoi dire. Sikuwa najua la kuongea. J'ai passé mon temps inutilement. Nikaharibu muda wangu bure. C'est la preuve que je n'avais pas de l'expérience. Hiyo inaonyesha sikuwa na ujuzi. Mais j'avais beaucoup jeûné, beaucoup prié. Lakini hata hivyo nilifunga sana na niliomba sana. Mais je n'avais pas d'expérience pour faire mieux ce travail. Lakini sikuwa na ujuzi ili nifanye kazi vizuri. Nous voyons que l'expérience facilite la façon de faire une chose. Katika lugha nyingine weka mambo kuwa rahisi au rahisi. L'expérience fait que nous faisons quelque chose tellement bien. Experience inafanya kwamba tufanye jambo fulani vizuri zaidi sababu na experience. Pour que nous atteignions l'excellence, on doit avoir de l'expérience. Ili kwamba ufanye kitu vizuri zaidi, lazima uwe na experience ya kitu kile. Alors quand j'ai commencé à parler, kwa hiyo nilipoanza kuongea. Première fois c'était difficile. Mara ya kwanza ilikuwa vigumu. La seconde fois c'était aussi compliqué. Mara ya pili tatizo kidogo. Pardon, la deuxième fois c'était compliqué. Mara ya pili pia ilikuwa vigumu. Et après troisième, quatrième, sasa mara ya tatu, mara ya nne, j'ai commencé maintenant à mieux m'exprimer devant les gens. Nikaanza sasa kuwa na uwezo wa kuongea mbele. Après il y avait encore un autre défi. Baadaye nikapata tatizo lingine. Ce défi consistait à quoi? Tatizo hilo lilikuwa ni lipi? Maintenant enseigner dans une église remplie de monde. Sasa kufundisha katika kanisa ambalo lina watu wengi. Et première fois c'était aussi compliqué. Na mara ya kwanza pia ilikuwa vigumu. Parce que tous les regards ont été braqués sur moi. Sababu nilikuwa naona kama vile macho yote ya watu yananitazama mimi. Et comme tout le monde me regardait. Sasa naona kila mtu ananitazama mimi. Je ne savais pas comment parler. Sikuwa najua jinsi ya kuongea. C'était compliqué. Ilikuwa ni vigumu kwangu. Maintenant je prêchais, je regardais en bas. Kwa hiyo nilikuwa ninahubiri nikiangalia. J'avais peur de regarder les gens. Nilikuwa na hoga wa kutazama watu. Je n'avais pas cette expérience. C'est quoi na experience? Mais après un temps, j'ai reçu l'expérience. Lakini baada ya muda fulani nikapata experience. Et prêcher aussi à l'extérieur, c'était compliqué. Na hata hivyo pia kuhubiri nje kwangu ilikuwa taabu. Une fois l'avoir fait des trois fois. Lakini baada ya kufanya mara moja, mara mbili, mara tatu. Voyez, ça produit une expérience en moi. Unaelewa hapo inanipa experience. Là, je vous parle de dans l'angle physique. Hapo ninawaeleza jambo katika hali ya kibinadamu. Maintenant, je peux me réveiller le matin. Sasa naweza amka asubuhi. On me dit tu vas prêcher. Wananiambia utahubiri. Je prie le Seigneur. Naomba Mungu. Il me révèle ce que je dois dire. Ananifunua nitakachoongea. Il me donne des versets bibliques. Ananipa verses za Biblia. J'écris, je fais la révision. Naandika na soma. Après la révision, baada ya mimi kusoma, je laisse seulement que je vais prêcher le soir entre les mains de Dieu. Naacha tu kwamba nitahubiri jioni na aliachia katika. Et je dors, je ne prie pas Dieu donne-moi la force de parler. Na, je sais que je vais parler mais je demande seulement que Dieu oriente la prédication selon sa volonté. Na ninapolala wala siombi au Mungu nipe nguvu za kuongea. Hapana, naomba tu Mungu uongoze mahubiri kulingana na mapenzi yako na najua nitaongea. Quand il n'y a pas des expériences, les hommes commettent beaucoup des erreurs. Kama mtu hana experience anafanya makosa mengi sana. C'est la même situation lorsqu'on est nouvellement marié. Na tatizo hilo hilo kama mtu bado ameoa. Je connais un ami qui était nouvellement marié. Najua mtu fulani ambaye alikuwa tu ndo anaoa. Donc chaque matin il rentrait chez eux.
Kila asubuhi yeye alikuwa anarudi kwao. Donc le matin il partait manger chez eux. Asubuhi anaenda kwa baba yake kwenda kula. Il laissait sa femme à la maison. Anaacha mke wake nyumbani. Donc il n'était pas encore habitué à vivre avec une femme dans un même toit. Alikuwa hana ule uzoefu wa kuishi na mwanamke katika nyumba moja. Cette expérience était tellement compliquée pour lui. Kwa hiyo kwake yeye uzoefu ule ulikuwa ni vigumu mno. Vivre avec une femme dans une même maison. Kuishi na mwanamke katika nyumba moja. Lui était tellement habitué à rester chez eux. Yeye alikuwa na atabia ya kwenda kula voir ses frères, aone ndugu zake, parler avec ses amis, aongee na rafiki zake. Lui était marié. Hata hivyo alikuwa ameoa. Les gens venaient lui chercher le matin, ses camarades. Rafiki zake wanakuja kumtafuta asubuhi. Il pouvait sortir le matin pour rentrer le soir. Anaweza akaenda na rafiki zake asubuhi anarudi usiku. Mais au fur des ans, lakini kadri miaka ilivyoendelea, il a eu de l'expérience, akawa na uzoefu. Il a compris comment gérer un foyer. Alielewa jinsi gani ya kuishi katika ndoa. C'est comme ça. Kwa hiyo ndio hivyo. Chaque fois que sa femme faisait quelque chose, kila wakati mke wake alipofanya jambo fulani, il partait dire à ses parents. Alikuwa anaenda haraka kuambia wazazi wake. Tel point que sa femme a été tellement haïe dans sa famille. Kiasi kwamba mke wake alichukiwa sana katika familia yake. L'expérience de ces échecs là, kwa hiyo kupitia experience ya yale makosa, a fait en sorte qu'il se ressaisisse. Ilimfanya yule jamaa ashike nafasi yake. Et aujourd'hui, il est un bon père de la famille. Na hata leo amekuwa mzazi mzuri sana. L'expérience ne nous est jamais communiquée à l'école. Experience ya jambo utaifunza kutoka shuleni. L'expérience est quelque chose que nous recevons de la vie réelle, dans le monde réel. Ambalo unajifunza katika maisha ya kawaida. C'est pourquoi si l'école ne vous a jamais appris, ndo maana kama shuleni hukufunzwa, la société vous apprendra. Basi watu watakufundisha. L'expérience provient par des multiples erreurs que nous commettons. Experience tunaipata kupitia makosa tunayoyafanya. Quand l'homme commet beaucoup d'erreurs, mtu anapofanya makosa mengi, il obtient un certain niveau de la connaissance. Anapata kiasi fulani cha ujuzi, de la sagesse de la vie, hekima ya maisha, et cela devient une expérience pour lui. Na kwake hiyo inakuwa experience. C'est pourquoi moi les gens qui m'ont beaucoup encadré dans le ministère, ndo maana mimi watu walionifundisha sana katika huduma, sont des gens qui ont servi Dieu, ni watu waliomfanyia Mungu kazi, mais à cause des combats spirituels, lakini kwa sababu ya vita vya kiroho, leur ministère a connu de fatalité totale. Huduma zao zikapata kushindwa. Ils n'avaient plus des églises. Hawakuwa tena na makanisa. Certains avaient servi Dieu, wamoja walimfanyia, mais après un temps ils ont entré dans l'amour de femmes, ya muda fulani wakaangushwa na wanawake, ils sortaient avec les sœurs, walikuwa wakifanya uzinzi na wadada, et ils pensaient toujours que l'onction était avec eux, na walikuwa wanafikiri tu tutakuwa tu na upako hata tufanye hivi, mais un temps Dieu les a frappés, lakini muda fulani Mungu akawapiga. Alors ils ont certaines expériences. Kwa hiyo walipata experience. Il me dit, petit, tu sais comme tu es là, walikuwa wananiambia dogo unajua kama ulivyo hapo, si tu veux réussir dans ton ministère, ukitaka ufaulu katika huduma yako, ne commette pas les erreurs que nous avons commis, usifanye makosa tuliyoyafanya sisi. Nous sortons avec des femmes, sisi tunatoka tulitoka na wanawake, on prenait des femmes mariées, tulichukua wanawake ambao wameolewa, on pensait que toujours Dieu était avec nous, tuliwaza wenda Mungu atakuwa daima pamoja nasi. C'est là que nous avons obtenu des expériences, na kupitia hapo tukapata ujuzi. Après nous avons encore fait des expériences spirituelles. Badaye, non, je vais arriver. Experiences za kiroho ambazo. Je rentre d'abord à ce que j'étais en train de dire. Wacha kwanza nieleze hizi za kiroho. Tellement qu'ils ont échoué dans le ministère. Sasa hawa kwa gisi walivyo. J'avais un grand qui a fait des années dans le ministère qui a échoué. Nilikuwa na ndugu ambaye alifanya miaka katika huduma lakini mwisho wake. Et il me disait ce que je ne peux pas faire. Sasa alikuwa ananiambia kile ambacho siwezi fanya. Il dit, si tu veux réussir, alikuwa ananiambia ukitaka kufaulu, ne fais pas ce que moi j'ai fait. Usifanye nilivyofanya. J'ai sorti avec les femmes. Nilikuwa nikitoka na wanawake. J'ai escroqué les gens. Nilikuwa nadhulumu watu. Je faisais des appels, je demandais de l'argent aux gens. Kwa naita watu kwenye simu kuomba hela. Avant de prophétiser pour quelqu'un, je demandais de l'argent. Kama sijatabiria mtu ninamuomba hela. Et au fur des ans, Dieu m'a frappé. Na mwisho wewe Mungu akanipiga. Toi tu es jeune. Lakini wewe bado ni kijana. Je veux que tu réussisses. Nataka ufaulu. Ne commette pas ce que nous avons fait. Usifanye makosa tuliyoyafanya. Ne tombe pas dans ce que nous avons tombé autrefois. Usije ukaanguke kama sisi tulivyoanguka. Alors à cause de cela, kwa hiyo kupitia hayo, j'ai regardé cet homme. Nilikuwa natazama yule mtu. Il est resté avec une grande connaissance. Amebaki na maarifa mengi sana. Mais Dieu était déjà parti. Lakini Mungu ameshatoka kwake. Il a perdu Dieu. Amepoteza Mungu. Alors j'ai regardé cet homme. Kwa hiyo nilikuwa namtazama. J'ai dit, si lui il a échoué, nasema ikiwa yeye alishindwa, si moi aussi je joue avec Dieu, ikiwa mimi pia nikishindwa na Mungu, je finirai de la sorte comme cet homme. Na mimi nitamalizia kama huyo mtu. Cet homme a fait des exploits. Huyo mtu alifanya mambo mengi. Il priait pour de fous. Likuwa naombea mpaka wakati anapona. Anapona.
Et ces gens retrouvaient la raison. Ils priaient instantanément, les malades étaient guéris. Il a fait beaucoup de miracles. Mais il finit par devenir alcoolique à cause des déceptions du ministère. Il pensait que Dieu était son ami. Mais au final, Dieu l'a frappé. Et il me dit, petit, ne joue pas avec Dieu. Ne prends pas l'alcool. Et il me disait, la grâce est trompeuse. Dieu peut fortement t'utiliser, mais lakini, toi wewe, la garantie que tu as avec Dieu ne, garantie ambayo uko nayo na Mungu, ce n'est pas les dons qui opèrent en toi, siyo ile karama inayofanya kazi ndani yako, c'est ta marche devant Dieu. Ni jinsi gani unavyoenenda mbele za Mungu. Ne te fie pas sur les dons ni sur des grâces. Usisimamie au kujivunia huduma, karama au neema. Ta seule garantie dans l'appel, c'est la grâce, c'est la conduite, c'est ta propre conduite devant Dieu. Kitu pekee kitakupa ujasiri katika wito wako ni maisha yako mbele za Mungu. Il m'a dit, Dieu n'abandonne pas ceux qui marchent dans l'obéissance. Akaniambia kwamba Mungu kamwe hawezi kukuacha ukitembea katika mtii. Il peut puissamment t'utiliser. Mungu anaweza akakutumie kwa nguvu kubwa sana. Mais si ta conduite badine, lakini ikiwa maisha yako yanayumba yumba, Dieu te laissera. Mungu atakuacha. Alors, sasa cela m'a beaucoup aidé. Hilo jambo lilinisaidia sana. Voyez, il y a une expérience que Job vient de dire. Unaona kuna experience fulani ambayo Ayubu amesema. Interroge tes pères. Ayubu anasema ya kwamba, oh baba, le chemin que eux ils ont passé, usinipitishe katika njia wao walizopitia. Peuvent te protéger pour que tu ne tombes pas. Ili unilinde nisianguke. Dans cette même réalité. Katika mambo yale yale. Là, c'est ce qu'on appelle les expériences physiques. Kwa hiyo, hiyo ndo tunaita experience ya kimwili. Mais au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle les expériences spirituelles. Sasa, tofauti na hizo experiences za kimwili, kuna kile kinaitwa experiences za kiroho. Les expériences spirituelles, experiences za kiroho, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Ni hizi ambazo tunafanya na Mungu. Par exemple, je parle de l'enfer. Kwa mfano, naongea kuhusu kuzimu. C'est une expérience spirituelle que j'ai vécue avec Dieu. Ni experience ya kiroho ambayo nilionyeshwa na Mungu. Ça, on appelle ça des expériences spirituelles. Hiyo inaitwa experience ya kiroho. J'ai vu le ciel, j'ai vu l'enfer, j'ai vu beaucoup de plus de royaumes. Niliona mbingu, niliona kuzimu, niliona falme nyingi sana. Chacun de nous fait avec Dieu des expériences différentes. Na naamini hapa kila mmoja wetu ana ushuhuda fulani ambao Mungu amemuonyesha pia. Les autres ont des expériences quand ils dorment la nuit, ils voient des lumières, ils voient les anges, c'est comme ça que Dieu les utilise. Wengine wana experience ya kilala usiku, anaona mwanga, anaona malaika, ni hivyo Mungu anawatumia. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'expérience de la vie chrétienne. Tuna pia kile tunaita experience ya maisha ya Ukristo. C'est cette expérience que nous encadrons les jeunes dans la foi. Ni kupitia experience hiyo tunawafundisha vijana katika imani. Nous obtenons cette expérience par notre marche avec Dieu. Tunapata hiyo experience kupitia maisha yetu na mwenendo wetu na Mungu. De la méditation biblique. Kwa ku meditate maandiko, kutafakari maandiko, kwa maombi na kufanya uinjilisti. L'expérience d'assister au culte. Experience hiyo tunaipata pia kwa kuja ibadani. Alors ça peut être aussi des expériences des extases. Na kuna pia zile experiences za mtu kuzimia. Il y a aussi des expériences prophétiques. Na kuna pia experiences za mtu za ulimwengu wa kinabii. Cette expérience nous l'accueillons quand nous servons Dieu. Na hayo yote tunayapata tunapokuwa tukimtumikia Mungu kazi. Auparavant, quand on prophétisait, zamani tulipokuwa tukitabiri, quand tu prophétises, tu ne vois pas la réaction. Unapotabiri na usione reaction. Directement tu es attristé. Hapo hapo unanungunika. Mais au fur des ans, lakini kupitia nous avons découvert tulikuja kugundua kwamba que des fois tu peux prophétiser, kwamba kuna mara unaweza ukatoa unabii, il y a des anges qui bloquent les gens, na kuna malaika walioanguka wanabloku watu. C'est une expérience que nous enseignons dans l'école des prophètes. Na hayo ni baadhi ya mambo tunafundisha katika shule ya manabii. Donc nous avons des expériences spirituelles. Ina maana kifupi kuna experiences za kiroho pia. Et presque beaucoup de croyances dans le monde sont bâties par des experiences. Na kiujumla wa Kristo wengi duniani wamejengwa pia kupitia experiences. Je vais expliquer maintenant où occupe les expériences, la place de l'expérience de l'église, mais finissons d'abord de définir. Kupitia somo hili nataka niwaeleze nafasi ya experiences za kiroho katika kanisa. Maintenant nous avons dit dans notre thème, kama nilivyowaambia katika somo letu la leo, la place des expériences spirituelles dans une église locale.
na nafasi ya experience za kiroho katika kanisa la mahali. Maintenant je vais définir d'abord ce qu'est une église. Kwanza nataka niwaeleze kanisa ni nini. Ce que c'est une église. Kanisa ni nini? Vous devez savoir que nous avons deux catégories d'église. Mfahamu kwamba tuna kanisa aina mbili. L'une a une corporation spirituelle. Moja ni kanisa la kiroho. Qu'on appelle le corps du Christ. Ambayo inaitwa mwili wa Kristo. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Wakorintho wa kwanza 12:27. Korintho wa kwanza 12:27. Premier Corinthien 12:27. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungu kila kimoja peke yake. Donc vous voyez la première église a une corporation spirituelle. Kwa hiyo mnaona kanisa la kwanza ni kanisa la kiroho. Cette église c'est ce qu'on appelle le corps du Christ. Hilo kanisa ndo linaitwa kanisa mwili wa Kristo. Elle se définit comme étant. Hilo kanisa linaelezwa kuwa une église universelle. Kanisa la watu wote. L'ensemble de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ venus dans le monde entier. Mkusanyo wa wote wanaoamini katika Yesu Kristo toka kote duniani. Et appelé hors du monde. Watu walioitwa kutoka nje ya ulimwengu. Donc la première église c'est un peuple appelé hors d'eux. Kwa hiyo kanisa la kwanza ni taifa liliitwa kutoka. Ils ont accepté Jésus-Christ. Walikubali Yesu Kristo. Ils sont appelés hors du monde. Wameitwa kutoka katika ulimwengu. Jean chapitre 17 verset 16. Yohana 17:16. Cette église là est composée de tous les croyants. Hilo kanisa linaundwa na waumini wote. Un peuple appelé hors du monde. Watu walioitwa kutoka katika ulimwengu. Donc quand on nous appelle l'église, kwa hiyo mnapoitwa kanisa, nous sommes un peuple qui est hors du système mondial. Sisi ni taifa ambalo liko kinyume ya utaratibu wa kiulimwengu. Voilà, c'est ça le texte. Ce texte nous enseigne ceci. Wasio wa ulimwengu kama mimi ni sisi. Je ne suis pas du monde. Wewe. Voilà. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Wao sio wa ulimwengu kama mimi ni sivyo wa ulimwengu. Donc chaque fois qu'on parle d'une église, kwa hiyo kila mara linapoongelewa kanisa, on parle d'un peuple qui ne sont pas de ce monde. Tunaongea kuhusu taifa lisilo la ulimwengu. Ils ont accepté Jésus-Christ. Walikubali Yesu Kristo. Ils sont maintenant hors du système du monde. Kwa hiyo wametoka katika sistemu ya ulimwengu. C'est-à-dire ils n'ont rien à voir avec le monde. Ina maana hawana uhusiano wowote na ulimwengu. C'est pourquoi la Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd sa vie? Ndio maana Biblia inasema itamfaidia nini mtu apate ulimwengu mzima akipoteza uzima wake. Donc dès le jour où tu as accepté Jésus-Christ. Kwa hiyo tangu siku uliyo sache bien que ta vie ne dépend pas du système de ce monde. Jua kwamba maisha yako hayategemei tena system ya ulimwengu. Même ta façon de voir le monde est tout à fait différente. Hata namna yako ya kutazama ulimwengu ni tofauti. Tu changes ta mentalité. Unabadili mawazo yako. Tu ne te bats plus pour le siècle présent. Wewe si mtu tena wa mambo ya kisasa. Parce que Dieu t'appelle hors du monde. Sababu Mungu amekuita kutoka katika ulimwengu. Ta façon de s'habiller est tout à fait différente de ceux du monde. Ndio maana hata namna yako ya kuvaa ni tofauti na wale wa ulimwengu. Ta façon de s'habiller est différente des autres. Namna yako ya kuvaa tofauti na wengine. Cette mentalité d'être hors du monde. Sasa hizo fikra za kuwa est ancrée dans notre mémoire. Zimeingia katika tout ce que nous faisons. Kwa hiyo kila tukifanya, nous le faisons comme un peuple hors du monde. Tunakifanya kama taifa ambalo liko nje ya ulimwengu. C'est comme si nous vivons à contre-courant. Ni kama vile tunaishi katika dunia mbili tofauti. Nous n'avons rien à voir avec ce monde. Sisi hatuna uhusiano wowote na hiyo dunia. Pas de la manière absolue. Si kwa namna eti kwa kila jambo. Quand on doit manger, on doit se vêtir, on doit étudier ainsi de suite. Sababu pia sisi ni watu lazima tule tuende shuleni na kufanya mengine kadhalika. Mais on doit pas utiliser quelque chose comme l'idole. Lakini sasa hatuwezi kushika vitu kama vile. Rien ne peut remplacer notre adoration devant Dieu. Yani ulimwengu uwezo ukashike nafasi yetu ya maabudu mbele za Mungu. Dieu nous appelle hors de la perversion de ce monde. Mungu anatuita tuwe mbali na upotovu wa dunia. Nous ne pouvons pas consacrer toute la journée en regardant la télé. Hatuwezi tukakae siku nzima tunatazama television. Nous ne pouvons pas consacrer toute la journée en regardant des choses vaines. Au siku nzima tunatazama mambo machafu.
Tout est programmé et planifié. Il y a un temps où on regarde la télé, il y a un temps où on fait certaines choses. Et nous disposons toujours un temps dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple appelé hors du monde. En réalité, le hors du monde là, ukweli ni kwamba kuwa nje ya ulimwengu ne parle que d'une seule chose, maana yake ni jambo moja, de la consécration, maana yake ni kuwekwa wakfu. Donc aussi longtemps que nous avons accepté Jésus-Christ, madamu tulipomkubali Yesu Kristo, nous sommes appelés à mener une vie de consécration. Tunaitwa kuishi maisha ya kiwakfu ya kujitolea. C'est-à-dire se mettre entièrement à la disposition de son Créateur. Ina maana kujitolea kabisa kwa muumbaji wetu. C'est ça la vie des chrétiens sur la terre. Hayo ndio maisha ya Mkristo duniani. Un peuple appelé hors de. Watu walioitwa kutoka. Alors ce peuple-là n'est pas une église locale. Sasa hao watu sio kanisa la mahali. Ils viennent de partout. Hao watu ni watu dunia nzima. Ils viennent de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Wanakuja kama watu wote waliokubali Yesu Kristo. Ils ne viennent pas seulement des églises de dépouillés. Hawakuji tu kutoka makanisa ya utakatifu hivi. Mais de tous ceux qui ont accepté la foi en Christ. Wote waliokubali imani katika Kristo. Ceux qui croient son nom. Wanaoamini katika jina lake. Qui respectent sa parole. Wanaotii neno lake. Qui appliquent ses règles. Wanaofuata kanuni zake. Peuvent venir de cette église. Wamoja wanaweza wakatoka katika kanisa hili. Ile là-bas en haut. Na kanisa ambalo liko hapa juu. Et l'autre église qui est là-bas en bas. Na kanisa lingine lenye kuwa kule. Je sais pas un peu plus loin. Na lingine kule mbali sana. Donc ils viennent de partout dans le monde. Wanatoka kote duniani. Nous sommes appelés comme étant un peuple appelé hors du monde. Sisi tumeitwa hivyo kama taifa lililoitwa kutoka katika ulimwengu. C'est ça qu'on appelle l'église corps du Christ. Hilo ndilo linaitwa kanisa mwili wa Kristo. Ils sont partout dans le monde entier. Kwa hiyo wako kote dunia nzima. Ils viendront de diverses dénomination. Watatoka katika madhehebu tofauti. Oh, de sainteté, de pureté, de justification, l'église de la repentance, l'église de wa utakatifu, kanisa la kutubu, kanisa la. Nous formons usafi. Au niveau mondial un corps spirituel du Christ. Katika ulimwengu mzima tunaunda kitu kinaitwa mwili wa Kristo. C'est ça qu'on appelle l'église universelle. Hiyo ndio inaitwa kanisa. Donc la personne ne peut pas prier chez nous mais il est mon frère. Ina maana gani? Hata kama mtu asali hapa kwetu lakini nous ne sommes pas des ennemis avec l'église qui est en face ici. Sisi sio maadui na kanisa hili lililo hapa. Qu'il n'enseigne pas ce que nous enseignons. Hata kama hawafundishi kama sisi hapa. Le plus important qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Kikubwa zaidi ni kwamba pia wanamwamini Yesu Kristo. Ensemble nous sommes dans un corps du Christ. Hivyo basi ni ndugu zetu pia sote tuko katika mwili wa Kristo. Est-ce que je me fais comprendre? Je, mnanielewa vizuri? Donc les chrétiens qui viennent partout dans le monde. Ina maana Kristo yeyote anayetoka popote duniani. Un seul corps, appelé le corps du Christ. Tunaunda mwili mmoja nao itwa mwili wa Kristo. Ils viennent partout dans le monde. Kote duniani. Ils ont été gagnés par Christ. Wote wamekokotwa na Kristo. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Wamempa Kristo maisha yao. Ils sont devenus ses enfants. Wamekuwa wanake. Le problème de doctrine c'est nous les hommes. Ili shida la mafundisho ni letu sisi wanadamu. Si tu ne crois pas ce que moi je crois, tu es mon ennemi. Oh, kama huamini kama ninavyoamini wewe ni adui yangu. Si tu ne fais pas ce qu'on enseigne dans notre église, tu es mon ennemi. Kama ufanyi mambo kama tunavyoamini kanisani kwetu, wewe ni adui. Tout chrétien dans le monde est ton frère et ta sœur. Sikiliza, kila Mkristo duniani pote ni ndugu yako na ni dada yako. Pourquoi l'apôtre Paul pouvait insister avec hardiesse? Ndoma ana mtume Paulo alisisitiza kwa là où nous ne sommes pas d'accord. Akamwambia kwamba mahali ambapo hatupatani. C'est-à-dire qu'il y a des choses que toi tu crois, moi je ne crois pas. Maana kuna mambo wewe unaamini mimi siamini. Mais si nous croyons seulement que le Seigneur Jésus lakini, est Dieu créateur du ciel et de la terre. Ikiwa tunaamini kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu muumba wa mbingu na nchi. Alors nous sommes des frères et des basi, sœurs. Basi sisi ni ndugu na dada. Là c'est l'amour qui nous accompagne. Et huo ndio upendo ambao tunatembea nao. Étant l'église de Dieu. Si, si, kama kanisa la nous faisons partie d'une seule famille. Sababu sote kama wa Kristo ni familia moja. La famille de Dieu vivant. Na hiyo familia inaitwa familia ya Mungu aliye hai. On peut m'inviter dans cette église qui est là-bas. Ina maana wanaweza wakanialike kwa lile kanisa pale juu. Et que je pas prêcher. Na mimi naenda nikahubiri. J'irai prêcher. Nitaenda kweli kweli. Parce qu'ils confessent le nom de Jésus. Kwa sababu pia wanakiri jina la Yesu. Certainement je vais enseigner ce que eux ne croient pas. Ukweli ni kwamba nitafundisha wenda mambo ambayo hawaamini. Je vais enseigner la doctrine. Nitafundisha je vais enseigner le dépouillement. Mais quand je pars là-bas, je pars enseigner chez mes frères. Ils sont des enfants de Dieu.
Nous tous, nous n'avons pas un seul le même niveau de la connaissance. Écoutez, l'Église parle de trois niveaux de croyants. Il y a ceux qui sont spirituels. Nataka niwaambie kuna wale ambao wako wa kiroho. La Bible parle de ceux qui sont charnels. Wa Kristo wa kiroho, wa Kristo wa kimwili. De chrétiens animaux. Na wa Kristo ambao ni wa Kristo mnyama tu. Ceux qui ont accédé à un niveau de la connaissance très élevé. Kuna wale ambao wana ujuzi wa uelewa wa hali ya juu. C'est vous, par exemple. Ni nyinyi kwa mfano, nyinyi hapa. Vous connaissez la sainteté par les dépouillements. Mmeshaelewa utakatifu ni nini. Mais ils n'ont pas encore trouvé cette grâce-là. Lakini wale wengine wenda hawajapata hiyo neema. Ils ont besoin de toi. Wana haja yako wewe. Que tu partes là-bas. Uende pale. Que tu leur enseignes le dépouillement. Uwafundishe kuhusu utakatifu. Mais tu n'enseignes pas tes ennemis. Lakini uweke kichwani kwamba hufundishi adui zako. Tu les enseignes comme tes frères et sœurs. Unawafundisha kama ndugu zako, qu'ils kama dada zako. Qu'ils comprennent et ne comprennent pas. Hata kama waelewe au wasielewe. Marchons ensemble. Lakini tutembee kwanza pamoja. Ils comprendront. Siku moja wataelewa. Les effets des doctrines ne peuvent pas nous diviser. Ili swala la mafundisho lisitugawe. Prêchons la parole avec amour. Tuhubiri neno kwa upendo. Notre objectif c'est de dépeupler le camp du diable. Lengo letu ni kuondoa watu katika ufalme wa shetani. Et sauver aussi les chrétiens ignorants. Na kuokoa wale wa Kristo ambao bado hawajafahamu. Donc je n'ai pas un problème pour aller prêcher dans cette église. Ina maana mimi sina shida ya kwenda kuhubiri kanisa lolote hapa. Parce que je vois là-bas c'est l'église de Dieu. Sababu pia naona pale ni kanisa la Mungu. Il y a les chrétiens à l'intérieur. Kuna wa Kristo ndani. Si Dieu me convainc, je prêcherai. Mungu akinishawishi niende nitaenda. Parce qu'ils sont des chrétiens. Sababu pia ni wa Kristo. C'est ce qui est plus important pour nous. Et hilo ndilo jambo muhimu kwetu. Nous sommes un corps. Sisi ni mwili. Appartenant à une famille. Ambao sisi ni familia. Parlons de Jésus et de la croix. Kwa hiyo tuongee habari za Yesu na Unissons-nous avec nos frères et sœurs. Tu ungamanike na wengine wenzetu wa Kristo. Là c'est l'église porte large. D'autres là c'est l'église porte des cieux. Cela ne sert à rien. Le plus important, Christ soit prêché dans son intégralité et que ceux qui n'ont pas la connaissance comprennent. Un jour, ils accepteront la lumière. Tuache ubaguzi, ubaguzi wa kuangalia watu kwenye milango. Eti lile ni kanisa milango ya mbinguni. Lile ni kanisa Sinai. Lile ni kanisa hivi. Huo ubaguzi haufai chochote, hauna maana. Tukae pamoja, tuungane na tufundishane neno. Yule mwingine naye itafika wakati ataelewa pole pole, Mungu akimjalia. Si tu deviens chrétien de ceux qui confessent le nom de Jésus, tu es pire qu'un sorcier. Ukiwa mkristu ambaye unataja jina la Bwana na unaishi maisha ya ubaguzi, wewe ni mbaya kuliko mchawi. Si tes ennemis ne sont que les gens qui ne croient pas ce que tu crois, c'est que tu es un vrai sorcier. Ikiwa mchawi. Wewe ni mkristu na unaweka adui zako watu ambao hawaamini kama wewe, kwako wote ni maadui, maana yake wewe ni mchawi pia. L'unité de Dieu se fait par la diversité. Umoja katika Mungu aiangalie utofauti wetu. C'est comme ça les choses de Dieu. Bon, là c'était l'église universelle. Sasa hilo lilikuwa ni kanisa la kiroho. Mais ici nous parlons de l'église locale. Lakini katika somo langu nimewaambia tutaongea kanisa la mahali. L'église locale c'est là où nous sommes ici maintenant. Kanisa la mahali ndo hapa kwa mfano hapa tulipo. L'église dirigée par un pasteur. Kanisa ambalo linaongozwa na mchungaji. Où chacun de nous dit je suis fidèle de l'église de pasteur Obed. Ambapo kila mtu wetu anasema mimi ni muamini wa kanisa la mchungaji Obed. Donc chacun a maintenant son église. Kwa hiyo kila mtu lazima awe na kanisa lake la mahali. Moi, je prie dans cette église. Na unaweza ukasema na oh, nasali kanisani hapa. Mon frère prie dans l'autre église là-bas. Ndugu yangu naye anasali kwa lile kanisa pale. Mais donc, qu'est-ce qu'une église locale? Sasa kanisa la mahali ni nini? Cette église locale est plus qu'un bâtiment. Kanisa la mahali ni kitu kikubwa zaidi hata ya jengo tunaloliona. Il est plus qu'un simple bâtiment. Ni zaidi ya jengo. L'église locale. Kanisa la mahali. Donc là où nous sommes ici. Kwa mfano hapa tulipo. C'est un foyer spirituel. Ni familia ya kiroho. Où les croyants se réunissent. Ambako waaminio wanakutanana. Pour adorer et communier avec Dieu. Ili kuabudu na kushirikiana na Mungu. Hébreux chapitre 10 le verset 25. Waebrania 10:25. Yes. Aya. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Amen. Voilà,
Maintenant, l'église locale, c'est par exemple notre bâtiment, c'est un foyer où les enfants de Dieu se réunissent. Kwa, sasa kanisa la mahali kwa mfano katika ili jengo letu ni mahali ambapo waaminio wanakutanana. Cela implique un simple bâtiment. Hii kitendo cha kukusanyika ni zaidi ya jengo. Cela est un niveau très élevé. Ni ngazi nyingine kubwa zaidi. On peut avoir une salle comme ça. Unaweza ukawe na ukumbi hivi. On peut se réunir sous un arbre. Unaweza hata mkakutanane chini. On peut se réunir dans une parcelle. Unaweza mkakutanane hata katika uwanja. Chaque fois que nous nous réunissons pour adorer Dieu. Kila wakati tunapokutanana ili kuabudu Mungu. Pour communier dans la parole. Ili kushirikiana katika neno. Pour adorer, communier avec Dieu. Ili kuabudu, kushirikiana na Mungu. Nous formons cette église qu'on appelle l'église locale. Hapo tunaunda hilo kanisa linaloitwa kanisa la mahali. Et dans cette église locale, Dieu a établi des ministres de la parole. Na katika hilo kanisa la mahali Mungu ameweka wahudumu wa neno. L'église locale encore. Kanisa la mahali pia. C'est un lieu où nos âmes sont nourries. Ni mahali ambapo nafsi zetu zina. Où notre foi est nourrie. Imani letu linalishwa. Pour que nous soyons modélés selon le modèle du Christ. Ili kwamba tuweze kutembea kulingana na taratibu za Kristo. Là nous pouvons avoir dans le livre de Galates, Actes des apôtres. Hapo naweza kutusomea katika matendo ya mitume. La Bible nous enseigne ceci. Acte chapitre 2. Matendo ya mitume sura ya pili. Le verset 41. Verset 42. Matendo ya mitume 2, 41 hadi 42. Nao waliolipokea neno lake. Non, verset 46. Enda 46. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Continue. 41 jusqu'à 46. Ah, 40 jusqu'à 46. Oui. Na rudi kwenye 41. Tutasoma 41 mpaka 46. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000 wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Nao wote walio amini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Amen. Lorsque nous devenons chrétiens. Unapokuwa Mkristo. L'église locale. Kanisa la mahali. C'est un lieu choisi. Ni mahali ambapo panachaguliwa. Dédié pour l'adoration. Ambapo tunaweka wakfu kwa ajili ya kuabudu. Là où nous rendons un culte pour Dieu. Ambapo tunamfanyia Mungu ibada. Un endroit où les chrétiens se réunissent. Mahali ambapo Wakristo wanakutana. Pour communier ensemble. Ili kushirikiana parler de la part de Dieu, kuongea kama wanao, écouter les enseignements, kusikiliza mafundisho, afin de perfectionner leur marche en Christ, ili kuboresha mwenendo wao katika Kristo. Donc lorsque nous sommes devenus chrétiens, kwa hiyo tunapokuwa wa Kristo, avant même que tu le deviennes, kabla hata ujawa Mkristo, Dieu avait déjà préparé une église pour toi. Mungu alikuwa ameshaandaa kanisa kwa ajili yako. Cette église qu'on appelle ça l'église d'alliance. Hilo ndo linaitwa kanisa la agano. C'est une église où nous grandirons, où nous nous épanouirons. Ni kanisa ambalo utakomalia humo ndani na kukomaa zaidi. Écoutez-moi. Bien qu'il y a plusieurs églises sur la terre. Nisikilize. Hata kama kuna makanisa mengi duniani. Chaque personne telle que nous sommes. Kila mtu kama tulivyo hapa. A une église que le ciel a destinée pour lui. Kila mtu ana kanisa ambalo mbingu ziliandaa kwa ajili yake. Cette église est appelée l'église d'alliance. Na kanisa hilo linaitwa kanisa la agano. C'est pourquoi tu peux être dans une église. Domani unaweza ukawa katika kanisa fulani. Mais tu rêves souvent une autre église en face. Lakini daima unaota kanisa lingine. Tu rêves toujours, tu es là-bas, tu fais des offrandes, tu pries, tu chantes.
Unaota huko kwenye kanisa lingine, unaimba, unatoa sadaka, unaabudu. Donc pour Dieu, il considère que tu n'es pas encore dans ton église. Maana yake hapo Mungu anaona hujafika bado katika kanisa lako. Chaque chrétien doit être dans son église d'alliance. Kila Mkristo lazima awe katika kanisa lake la agano. C'est pourquoi avant d'aller dans une église, avant d'en faire partie, la première chose tu dois prier. Jambo la kwanza ni kuomba. Dis à Dieu, est-ce que cette église là est mon église? Je, hili Mungu ndo kanisa langu? Est-ce que cette église est la mienne? Je, hili ndo kanisa langu? Demandez d'abord à Dieu. Uliza Mungu kwanza. On peut enseigner de bonnes choses. Panaweza ndio pakwe panafundisha mambo mazuri. Mais cela n'est pas destiné à ton âme. Lakini hiyo haikuwekwa kwa ajili ya nafsi yako. Car tout enseignement n'est pas pour nous. Sababu kila mafundisho si kwa ajili yako. Tout ce qu'une église dispense ne nous appartient pas seulement. Ne nous appartient pas forcément. Si yote yanayofundishwa katika ibada eti ndo yanakuhusu wewe. Chaque âme est dirigée spirituellement dans une église où elle grandira, elle suivra des enseignements qui lui sont propres. Kila nafsi Mungu ameitarajia iende katika kanisa fulani ambako atafuata mafundisho na kusikiliza yanayomhusu yeye. Ne partez pas dans une église parce que le pasteur prêche bien. Usiende kwenye kanisa fulani tu eti sababu mchungaji anahubiri vizuri. Mais pour aller dans une église. Lakini niwaambie kwa kwenda. Demande à Dieu. Katika kanisa fulani uliza Mungu. Tu peux être dans une église où on prêche bien. Unaweza ukawe katika kanisa ambako wanahubiri vizuri. Où on prêche la crainte de Dieu. Ambako wanahubiri kabisa kumogopa Mungu. Mais ce n'est pas là que Dieu veut te voir. Lakini si hapo Mungu anataka ukae. Dieu veut te voir ailleurs. Mungu anataka kuone mahali pengine. Dieu te voit quelque part. Anataka kuone mahali fulani. C'est nous qui efforçons des choses. Ni sisi wanadamu ndo tunajaribu kufanya mambo kwa magumu. C'est nous qui essayons de forcer les choses. Tunajaribu kufanya mambo magumu sana. Nous essayons de mettre les coups. Tunajaribu kuongeza mizigo. Nous essayons de résister. Tunajaribu kung'ang'ana. Ce n'est pas ça Dieu. Mungu kwake sio hivyo. Dieu est un Dieu d'alliance. Mungu ni Mungu wa agano. Chacun de nous doit servir Dieu là où Dieu l'attend. Kila mtu lazima amtendee Mungu kazi pale ambapo Mungu anataka. Si tu ne pries pas dans l'église de ton alliance, tu sers Dieu sous sa colère. Kwa sababu usipofanyia Mungu kazi mahali ambapo Mungu anataka umfanyie kazi, maana toujours à Dieu, est-ce que unataka kuinua hasira ya Mungu? Je suis dans mon église. Ndio maana daima uliza Mungu. Est vraiment le pasteur de mon âme. Che Mungu, huyu kabisa ndiye mchungaji wa nafsi yangu. Tu peux passer inutilement ton temps dans un endroit que Dieu ne reconnaisse même pas. La sivyo utakuja kupoteza muda wako bure mahali ambapo Mungu hakutambui kabisa. Tu penses prier. Unafikiri unaomba. Mais l'alliance de Dieu n'était pas là. Lakini agano la Mungu alikuambia ukae hapo. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Je, uliuliza Mungu? Chaque fois que tu veux venir dans une église. Kila mara unapotaka kwenda katika kanisa. Chaque fois que tu veux fréquenter une église. Unataka kuingia katika kanisa fulani. Pose d'abord la question à Dieu. Uliza Mungu kwanza. Est-ce que cette église ici? Je, Mungu kanisa hili. Et surtout éviter les églises. Na zaidi sana epuke nini makanisa? Où c'est une église familiale. Ambazo ni kanisa kama vile za kifamilia. Nous sommes grandis là-bas. Sisi tumezaliwa hapo. Ma mère et mon père. Baba yangu mama yangu hapo. Fréquentaient que cette église. Wote wanaingia kanisa hilo hilo. Et nous aussi. Na sisi watoto. En grandissant, nous sommes appelés à aller prier là-bas. Hapo hapo na tuna lazima. Il y a des gens qui sont devenus des musulmans. Kuna watu wengi wamekuwa waislamu. Non, parce que eux-mêmes voulaient être là-bas. Kwa sababu tu walikomalia katika kanisa hilo hata kama wakutaka. Mais ils n'ont pas le choix parce que c'est imposé. Dans la famille. Ni kwa sababu tu familia imelazimisha wawe pia waislamu sababu familia lote ni la waislamu. C'est une erreur fatale. Hilo ni kosa mbaya sana. Qui aura des conséquences éternelles. Ambalo mwisho wake utalilipia kule umileleni. Est-ce que tu es dans l'église de ton alliance? Je, uko katika kanisa lako la agano? Il est toujours important de poser cette question. Ni muhimu sana kuuliza swali hilo. L'église de l'alliance est une église où tu reçois les enseignements. Kanisa lako la agano unalitambuaje? Ni kanisa ambalo unapata mafundisho. Et les conseils nécessaires pour remplir ta mission sur la terre. Unapata mafundisho na mashauri tosha ili kuweza kutimiza malengo yako ya kuwa duniani. Donc chaque personne a au moins une église locale qui lui est propre. Kwa hiyo kila mtu ana kanisa lake la mahali ambalo Mungu anataka muone ndani. Très important. Jambo muhimu sana hili. Hier nous avons reçu un frère à la maison.
Jana tulipata ndugu moja pale nyumbani. Le frère a commencé à relater l'histoire. Yule ndugu akaanza kutuelezea historia yake. Il a rêvé en maître reprise. Ameota mara nyingi. Quelqu'un lui dit tu dois aller servir Dieu dans cette église. Tu dois aller là-bas. Mtoto fulana anamwambia unapaswa wende pale ufanyie Mungu kazi pale. Après il fait encore un autre rêve. Baadaye tena anaota ndoto. Il me voit avec pasteur Lang. Ananiona na mchungaji Langi. Il dit tu dois aller là-bas. Na sisi pia tunamwambia unaenda upaswa wende pale. C'est simple. Lakini jambo hili si ni rahisi jamani. Dieu t'a montré par là-bas. Mungu amesha kuonyesha nenda huko basi. Dieu te voit là-bas. Mungu anataka kuone pale. Serge là-bas. Kwa hiyo fanyia Mungu kazi pale. Attache-toi à l'appel. Ambatana na wito wako. Attache-toi à l'église où Dieu t'a placé. Ambatana na kanisa ambako Mungu amekuweka. Tu es arrivé ici parce que Dieu t'a convaincu. Umekuja hapa kwa sababu Mungu alikushawishi. Maintenant tu arrives ici, tu trouves quelqu'un qui te dit quittons cette église, partons. Sasa unafika hapa unakutana na mtu anakuambia tutoke hili kanisa, tuondoke. Na wewe tu hivi kijinga unatoka unaenda. Mais toi-même tu sais que tu es ici parce que Dieu t'avait convaincu de venir ici. Na huku ndani kabisa unajua kwamba ulikuja hapa sababu Mungu alikushawishi uje hapa. C'est très important. Haya ni mambo muhimu sana. Maintenant dans cette église locale, sasa katika kanisa hilo la mahali, ce que vous devez reconnaître, l'église est fondée, bâtie par les enseignements. Cha kwanza mfahamu kwamba kanisa linajengwa kwa mafundisho ya Biblia. C'est-à-dire l'enseignement des apôtres et des prophètes. Maana yake mafundisho ya mitume na manabii. Ephésiens chapitre 2 verset 20 au verset 22. Wa Efeso 2:20-22. Wa Efeso 2:20-22. Mama mchungaji fanya haraka. Wa Efeso 2:20. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Amen. Voilà. Donc l'église est bâtie maintenant par des enseignements des apôtres et des prophètes. Kwa hiyo kanisa linajengwa kwa misingi ya mafundisho ya mitume na manabii. C'est ce qu'on appelle le boussole, la boussole de l'église. Ndio ambayo inaitwa boussole, radari. Nini ile wanaweka kwenye meli inaongoza east na. Bon, changeons les termes. C'est ça le fondement de l'église. Dira, ok. Ndio inaitwa dira ya kanisa. Ayo mafundisho ya mitume na manabii. L'église, pour qu'elle ne se perde pas. Sasa kanisa, ili kwamba lisipotee. Elle doit rester dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Lazima libaki katika mafundisho ya mitume na manabii. C'est le fondement de toute église locale. Huo ndio msingi wa kila kanisa la mahali. Que nous appelons aussi la saine doctrine. Na hiyo ndio tunaita fundisho takatifu. Vous devez comprendre que les prophètes ont enseigné jusqu'à la venue du Christ. Na muelewe ya kwamba manabii walifundisha mpaka ujio wa Kristo. Les apôtres ont bâti l'église afin qu'il subsiste jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Na wa mitume wao wakaanza kujenga kanisa kuanzia hapo mpaka atakapokuja Yesu Kristo. Donc l'église est fondée par les enseignements. Kwa hiyo kanisa linajengwa na mafundisho. L'exhortation, la prédication et les enseignements. Maonyo, mahubiri na mafundisho. Mais tout ça respecte la doctrine apostolique. Lakini katika hayo yote ubaki katika mafundisho ya mitume. C'est cela qui garantit la croissance des âmes. Hicho ndio chakula pekee ili nafsi ya mwanadamu ikomae. Cela permet que nous ayons une église équilibrée. Hiyo inafanya tuwe na kanisa lenye msimamo mzuri. Et garantir la véritable croissance. Na kuhakikisha watu kukomaa vizuri kiroho. Donc l'église ne doit pas être une église populiste. Kwa hiyo kanisa lisiwe kanisa la kutafuta watu wengi. On fait asseoir l'église par les enseignements. Kanisa linasimamia kwenye mafundisho. On doit enseigner à l'église. Kanisa lazima lifundishwe. Mais on enseigne que les enseignements des apôtres et des prophètes. Na hayo mafundisho yenyewe yawe mafundisho ya mitume na manabii. C'est-à-dire ce qu'ils ont enseigné dans ces livres. Ina maana vilivyofundishwa katika kitabu hiki. Tu ne viendras pas enseigner des choses qui n'existent pas ici. Usije kamwe
kufundisha kanisa mambo ambayo yanakuandikwa hapa. Respecter les enseignements apostoliques. Lazima uheshimu mafundisho ya mitume. Tu ne peux pas interpréter la Bible selon toi. Tu dois respecter ce que les apôtres ont enseigné. Uwezi tafsiri Biblia kulingana na mawazo yako wewe. C'est pourquoi même heshimu kile mitume walichofundisha. Même la nouvelle Jérusalem on dit la ville avait 12 fondements. Hata Yerusalemu mpya wanasema jiji lilikuwa na misingi 12. En réalité, c'était les 12 enseignements apostoliques. Kusema kiukweli hiyo misingi 12 ni mafundisho 12 ya wale walitume 12. Les enseignements des apôtres et des prophètes nous garantit l'accès au ciel. Hilo tu ili kutudhibitishia ya kwamba ni mafundisho peke yake ya mitume na manabii ndio inatupa njia ya kwenda mbinguni. La Bible tout entière. Na hiyo ndio inafanya Biblia nzima. Nous sommes appelés à respecter les enseignements des apôtres. Kwa hiyo tunaitwa kuheshimu mafundisho ya mitume na manabii. Apocalypse chapitre 22 verset 18 dit ceci. Ndio maana Ufunuo 22. Apocalypse 22:18. Verset 18. Ufunuo 22:18 inasema hivi. Ufunuo 22:18. Namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Amen. Donc on ne peut rien ajouter ni retrancher dans ce qui est écrit. Kwa hiyo uwezi ongeza au kupunguza katika yale yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Fidèle, soyez très exigeants envers nous les hommes de Dieu. Sasa hapa naongea na ninyi waaminio. Muwe mnatuchunguza sana sisi watumishi. Nous devons vous enseigner la parole de Dieu. Na muhakikishe ya kwamba tunawafundisha tu neno la Mungu. Ne marchez pas dans la logique d'une église, mais marchez dans la logique de l'église bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Kamwe usitembee katika kanuni za kanisa fulani, lakini tembea katika kanuni za neno la Mungu yani Biblia. On ne peut pas annuler ni enlever ce que la Bible enseigne. Sababu uwezi punguza au kuondoa kile ambacho Biblia imefundisha. Mais maintenant parlons de la place des expériences. Sasa nachotaka tuongee nafasi ya shuhuda. Vous avez déjà compris que l'église est bâtie par les enseignements. Nafikiri mmeshaelewa tayari kwamba kanisa linajengwa na mafundisho. Non, l'église n'est pas bâtie par le nombre de vues sur internet. Kwa hiyo kanisa halijengwi na hesabu ya viewers kwenye internet. L'église n'est pas bâtie par le nombre de gens qui doit attirer. Kanisa alijengwi na idadi la watu katika ibada lako. L'église est bâtie par les enseignements. Kanisa linajengwa na mafundisho. Mais aujourd'hui les chrétiens qui viennent à l'église n'aiment jamais les enseignements. Ila tatizo kubwa leo wakristo wanaokuja kanisani hawataki mafundisho tena. Écoutez-moi. La place des expériences dans une église. Hebu tuongee nafasi ya shuhuda katika kanisa. Pour que l'église soit mature. Ili kanisa likomae. Cela ne nécessitera pas seulement l'identification des personnages bibliques. Hiyo haiombi tu utambuzi wa watu walio katika Biblia. Soit l'interprétation des passages bibliques. Au tafsiri tu ya maandiko. Cela ne nécessitera pas seulement ça. Hiyo haihitaji hilo tu. Cela n'est pas seulement la preuve fatale de notre croissance spirituelle. Si hiyo zibitisho tosha ya kwamba tumekomaa kiroho. Le principe fondamental de la foi. Kanuni za msingi za imani. Explique tout ce que nous avons besoin pour grandir. Inaeleza yote tulio nayo haja ili tukomae kiroho. C'est d'abord la parole de Dieu. Na tulicho nacho haja ili kukomae kiroho ni neno la Mungu. C'est le principe fondamental de la foi chrétienne. Hiyo ndio msingi kamili wa nous imani ya Kikristo. Nous ne pouvons pas croître sans les enseignements. Hatuwezi kamwe kukomaa kiroho bila mafundisho. Tout ce que nous avons besoin c'est la parole. Chote tulicho nacho haja ni neno. Mais pour garantir la maturité, lakini sasa ili kukomaa zaidi cela nécessitera plusieurs choses. Inaomba mambo mengi kidogo. Écoutez-moi. Sikilize. Pour grandir, ili kukomaa, le principe fondamental explique. Kanuni za msingi zinaeleza. Tout ce que nous avons besoin c'est la parole de Dieu. Kwamba tulicho nacho haja ni neno. Maintenant la parole de Dieu a pour mission. Sasa neno la Mungu lina kazi de rendre cela expérimentable dans la vie des hommes.
Kazi ya kufanya yale mambo yawe mambo halisi katika maisha ya wanadamu. Et créer une communion entre l'homme avec son créateur. Na kufanya ushirika kati ya mwanadamu na Mungu. C'est là pour atteindre un certain niveau de la maturité. Ili ufikie katika ngazi fulani ya kiroho. Nous avons aussi besoin des expériences personnelles avec le Seigneur. Sasa kwa lengo hilo tuna haja pia ya experiences za kiroho na Mungu. Écoutez, pour que l'apôtre Paul devienne ce qu'il était devenu. Ili mtume Paulo awe kile alichokuwa. Il a parvenu à la foi par l'expérience personnelle avec le Seigneur. Yeye amefikia kupata imani kupitia experience aliyopata nayo kupitia Yesu. Actes apôtres chapitre 9 le verset 3 verset 6. Matendo ya mitume 9 3 hadi 6. Les expériences produisent une véritable maturité. Experience za kiroho pia zinaongeza ukomavu wa kiroho. Comme l'apôtre Paul. Kama mtume Paulo. Il allait pour aller détruire les chrétiens. Alikuwa anaenda kuua wa Kristo. Il arrive quelque part. Nafika mahali fulani. Il perçoit une lumière comme le dit le texte. Anaona mwangaza fulani kama inavyosema Biblia. Il voit. Il attend une voix. Akasikia sauti. Et il voit quelqu'un lui dire. Sauti ya mtu inamwambia. Paul, Paul, pourquoi Paulo, tu me persécutes? Paulo, kwa nini unanitesa? Pourquoi me persécutes-tu? Kwa nini unanitesa Paulo? C'était une expérience extraordinaire. Ilikuwa ni experience ya ajabu sana. Donc pour que Paul devienne chrétien. Kwa hiyo ili kwamba Paulo aje awe mkristo. C'était l'intervention d'une expérience spirituelle. Ilikuwa ni kupitia experience ya kiroho. Les chrétiens de l'époque ne savaient pas cela. Wa Kristo wa wakati ule walikuwa wajui nini. Il savait que pour devenir chrétien, walikuwa wanajua ili uwe mkristo, il faut rencontrer quelqu'un avec une Bible. Inabidi ukutane na mtu akiwa na Biblia. Et que la personne t'enseigne la Bible. Na ule mtu aanze kukufundisha Biblia. Oh, Paul a fait une expérience. Na Paulo yeye alifanya experience. C'est pourquoi il dit même que je suis devenu l'apôtre par la volonté de Dieu. Ndio maana hata mwenyewe Paulo anasema nimekuwa mtume kwa mapenzi ya Mungu. Personne n'a attribué le titre de l'apôtre. Hakuna mtu aliyempatia title ya kuwa apostle. Pour que moi je devienne ce que je suis. Ili niwe jinsi nilivyo. Ma conversion a été bâtie par une expérience. Kuamini kwangu mimi ni kutokeana na experience. J'étais dans un bar. Nilikuwa katika bar. Et directement je vois une personne. Na ghafla nikaona mtu. Donc l'expérience est aussi très importante. Kwa hiyo his experience za kiroho pia ni jambo muhimu sana. Et cela avait produit en moi une nouvelle maturité. Na hilo likanipa ukomavu fulani wa kiroho. De donner ma vie au Seigneur. Na nikampa Kristo maisha yangu. Donc pour grandir dans la foi chrétienne. Kwa hiyo kwa kukomaa katika imani ya Kikristo. Nous avons aussi besoin des expériences. Tuna haja pia ya experiences. Par exemple, quelqu'un peut venir témoigner à l'église. Kwa mfano mtu anaweza akaje kushuhudia kanisani. L'expérience peut-être de la louange, when the experience flani ya kusifu, de la communion, ya ushirika, l'expérience des extases, experience flani ya mtu kubebwa na Mungu, comme Jean était entré en transe, kama vile Yohana mfunuzi alivyobebwa na Mungu, pour écrire le livre d'Apocalypse, ili kuja kuandika kitabu cha Ufunuo. Donc les expériences contribue aussi à l'épanouissement de la foi. Kwa hiyo experience pia zinachangia katika kupanuka kwa imani. Si je pose la question ici. Nikiwauliza swali hapa nyinyi. Certaines personnes sont venues ici à l'église. Watu baadhi wamekuja hapa kanisani. Parce qu'ils ont écouté les témoignages. Sababu walisikia shuhuda, si ni hivyo? Il priait dans une autre, elle priait dans une autre église. Wende walikuwa wanasali katika kanisa lingine. Mais une fois j'ai écouté les témoignages. Lakini wakati niliposikia shuhuda. J'ai attendu ce que Dieu a dit. Nikasikia Mungu alivyoongea. J'ai attendu ce que Dieu a dit. Nilisikia Mungu alichokiongea. Voilà ce qui m'a uni avec mon fils Obed. Ona kilichoniunganisha na mwanangu Obedi. C'est ce témoignage. Ni huu shuhuda. Ah, après avoir que j'ai écouté. Ah, baada ya mimi kusikia. Non, cet homme de Dieu dit des choses profondes. Huyu mtumishi wa Mungu anaongea mambo ya kilindi. Ah, on s'est rencontré pour la première fois. Tukakutana mara ya kwanza. C'était là-bas à Kifuru. Ilikuwa ni pale Kifuru. C'était je ne sais pas gare, je crois. Oh. Il est venu nous chercher avec sa voiture. Yes. Ilikuwa kwenye stand ya Magufuli kwanza alikuja kutafuta gari lake baadaye tukaenda sote mpaka Kifuru. C'est à cause de cette expérience. Ilikuwa kupitia hii experience. Voyez les expériences sont aussi importantes. Sonona huko experience pia ni jambo muhimu. Parmi les expériences, il y a les expériences que je dis de transe, de témoignages ainsi de suite et je parle par exemple du témoignage. Na katika experience kuna zile za kuchukuliwa, kubebewa, shuhuda ambao nimetoa. Kwa hiyo il était un prédicateur depuis longtemps. Alikuwa mhubiri tangu zamani. Mais après avoir écouté les témoignages, lakini baada ya kusikia ushuhuda, cela produit une édification dans son cœur. Ikaleta
C'est la raison que plusieurs sont ici. C'est le témoignage qui les a attirés. Ils écoutaient des prédicateurs. Mais parfois ils disaient, ils doutaient. Mais quand quelqu'un a expérimenté, il dit, ah, c'est que je ne croyais pas. Est une réalité. Non, je dois croire. La croissance chrétienne deviennent fortes et efficaces aussi par l'expérimentation de certains domaines avec Dieu. Kupitia experience fulani na Mungu. Vous devez savoir que l'Église n'est pas une religion. Kwamba kanisa sio dini. Mais c'est une relation des hommes avec Dieu. Lakini kanisa ni uhusiano wako na Mungu wako. Voyez, le témoignage a beaucoup contribué. Sonona ushuhuda umechangia pakubwa. Si je pose la question à la femme du pasteur. Nikiuliza mke wa mchungaji. Comment tu t'es dépouillé? Ilikuwaje uanze kuishi maisha ya utakatifu? J'ai écouté le témoignage. Atakwambia nilisikia shuhuda. Cela m'a touché. Ikanigusa. Je lis aussi la Bible. Nikasoma pia Biblia. J'ai vu que c'est réel. Kaona ni kweli. Elle s'est transformée. Na nikabadilika. Voyez, les expériences spirituelles comme les témoignages experiences za kiroho kitu kama shuhuda vient aussi pour éclairer certains textes bibliques que nous comprenons mal. Zinakuja pia ili kuangazia baadhi ya maandiko ya Biblia ambayo tunaelewa vibaya. Tu lisais déjà la Bible, tu ne comprenais pas. Ulikuwa unasoma Biblia lakini ulikuwa mais les témoignages arrivent pour donner certaines lumières. Lakini ushuhuda unakuja ili kukuongezea mwanga. C'est la raison que nous avons aussi besoin d'écouter les témoignages. Ndoma ana pia tuna haja ya kusikiliza ushuhuda. Tu vas voir que le même texte que tu lisais autrefois utagundua nyaraka zile zile ulizozisoma tamani. Tu ne comprenais peut-être pas. Wende ulikuwa uelewi. Mais après avoir écouté un témoignage. Lakini baada ya kusikia ushuhuda. Tu dis wow. Unasema wow. L'enfer c'est comme ça. Kumbe kuzimu ndio hivyo. Le ciel c'est comme ça. Mbingu ni hivi. Parce que la Bible n'a pas expliqué le ciel de manière détaillée. Sababu Biblia. Apart dans le livre d'Apocalypse. Haikuelezea kabisa mbingu na details zote. Quelqu'un vous explique tout ce qu'il a vécu. Lakini mtu ambaye ameenda pale ana uwezo wa kukuelezea vyote. Avec la lumière des écritures c'est très important. Sasa kupitia mwanga wa maandiko unaelewa vizuri zaidi. Na unapoelewa vizuri zaidi unakomaa zaidi katika ulimwengu wa kiroho. Mais ça ne devient pas le fondement de l'église. Lakini niwaambie kwamba tu huo ushuhuda sio msingi wa kanisa. Les expériences éclairent les zones d'ombre. Huo ushuhuda unakuja tu ili kukuongezea mwangaza. Mais l'église continue à persévérer dans les enseignements. Lakini kanisa linajengwa katika mafundisho. Les textes qu'on vient de lire on dit il persévérait par les enseignements des apôtres. Ile andiko tulilosoma linasema ya kwamba walidumu katika mafundisho ya mitume. Maintenant, si quelqu'un avait une prophétie. Sasa kiwa mtu anakuja na unabii. Quelqu'un avait une parole de connaissance. Mtu ana neno la utambuzi. Guérison, avait un don de miracle, ya miujiza, il pouvait venir opérer kaji pour kazi, rendre la parole vivable. Ili, lengo kubwa ni kuisha neno. Maintenant, prenons le côté négatif des expériences. Sasa, embu, tuangalie upande wa madhaifu katika mambo ya mashuhuda. Et surtout à l'occurrence, le témoignage. Na haswa, izi shuhuda, shuhuda. Le témoignage. Shuhuda. Est susceptible de nombreuses interprétations divergentes. Shuhuda zinachangia kuleta tafsiri nyingi sana mbovu za maandiko. Certaines personnes, baadhi ya watu, témoignent ou bien interprètent le témoignage, wanatafsiri shuhuda, ou bien leur vécu, au yale walioyapitia, à partir de leur propre vision du monde. Kulingana na uelewa wao wa mambo ya kiulimwengu. De leur culture, asili yao, et surtout de son éducation, par exemple, si on parle d'une personne. Na haswa hata kulingana na elimu yake. De sa foi, imani lake, sa philosophie de la vie. Namna yake au falsafa yake ya donc, maisha. Ici nous voyons que l'expérience est maintenant déterminée par la façon de la conviction personnelle. Kwa hiyo hapa unaona kwamba shuhuda ina kamilika kwa mtu kulingana na de sa propre croyance, wenda kulingana na imani lake, de ses propres opinions, wenda kulingana na maoni yake, de sa théologie, wenda kulingana na theolojia yake. Là c'est le côté négatif du témoignage. Huo ndio upande ubovu wa mambo ya ushuhuda. Chaque fois quand quelqu'un témoigne, kwa hiyo kila mara mtu anaposhuhudia, il a une façon de voir le monde d'après lui. Yeye yule anayeshuhudia ana namna fulani ya kuona dunia. Il y a l'intervention de sa culture. Oui. L'intervention de sa culture. Na katika ushuhuda ule atashuhudia pia kulingana na culture yake, de son propre éducation. Wenda kulingana hata na elimu yake. Il y a une philosophie qui règne là-dessus.
Kuna falsafa fulani inatawala katika dunia yake ya kushuhudia. Une source de divergence. Na ni hapo ndo kuna chanzo cha utofauti. Que l'église est appelée maintenant à faire attention. Ambao kanisa sasa mnaombwa kuwa makini. Quand quelqu'un donne une expérience, wakati mtu anatoa ushuhuda fulani, vous allez remarquer c'est lié aussi à sa culture. Na ukigundua sana kwa ndani utakutana ushuhuda wake pia unaambatana na asili yao. C'est là où il y a un problème. Na ni hapo kuna tatizo. Écoutez-moi. Plusieurs croyances ont des expériences, pas seulement nous. Watu wengi makanisa mengi pia yana mashuhuda, sio sisi peke yetu. Un jour une femme m'a dit ceci. Siku moja mama moja aliniambia hivi. Moi, je prie dans l'église catholique. Mimi naomba katika nasali katika kanisa la Kikatoliki. Je prie à l'église catholique parce que j'avais fait un rêve. Ninasali katika kanisa katoliki sababu nilipata ndoto. La nuit, je dormais. Nilikuwa nalala usiku. Je vis une femme descendre du ciel. Kaona mwanamke anashuka kutoka mbinguni. Elle dit je suis maman Maria. Ule mwanamke akasema mimi ni mama Maria. Je suis la reine du ciel. Kia wa mbinguni. Ma fille va à l'église catholique. Binti yangu naenda kwenye kanisa katoliki. Elle dit c'est la raison que je prie à l'église catholique. Huyo mwanamke akaniambia ndio sababu nasali katoliki. Et personne ne peut me changer. Hakuna mtu akonibadili hapo. Vous voyez cette philosophie là. Unaona hiyo namna ya uelewa. Devient très dangereuse pour l'église. Inakuwa ni uelewa mzito sana kwa kanisa. Il faut toujours être prudent avec les expériences. Kwa hiyo iweni makini. Kwa hiyo iweni makini sana. Elle a commencé à prier à l'église catholique. Kwa hiyo mama akaanza kusali katika kanisa katoliki. Une fois je parlais avec un pasteur. Nilikuwa nikiongea na mchungaji mmoja. Une personne que je respecte beaucoup. Mchungaji ambaye naheshimu sana. Il dit il était chez lui. Akasema alikuwa kwake. Un prophète est venu le voir. Nabii mmoja akaja kumuona. Il dit l'homme de Dieu. Unabii akasema mtumishi wa Mungu. Pour que ton église croisse. Ili kanisa lako likomae. Aujourd'hui. Leo. Je vis quelque chose. Nimeona kitu fulani. Je vis un ange. Nimeona malaika. Avec des ailes déployées. Akiwa na mabawa ya kufunguliwa hivi. Il est arrivé vers moi. Huyo malaika alinifikia. Il m'a dit. Akaniambia. Va dire à mon serviteur. Nenda waambie mtumishi wangu. Le Dieu du ciel m'a envoyé. Mungu wa mbinguni amenituma. Va dire à mon serviteur. Nenda waambie mtumishi wangu. Pour que les fidèles, pour que son église croisse. Ili kwamba kanisa lake likomae. Il doit coucher avec 5 femmes mariées. Lazima azini na wanawake 5 ambao wameolewa. Sur l'estrade. Na azini nao kule kule kwenye mimbara. Après l'avoir fait. Baada ya kufanya hivyo, il verra comment les gens viendront à l'église. Ataona jinsi gani watu watakuja pale kanisani. Maintenant, le pasteur là n'avait pas beaucoup de fidèles. Sasa yule mchungaji hakuwa na waumini wengi. Il a dit wow. Akasema wow. Il a posé la question. Akauliza swali. Bien-aimés dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana. Nous devons beaucoup faire attention avec les expériences. Tuwe makini sana na hizi shuhuda. Les expériences risquent de nous détourner de la foi. Shuhuda zinaweza zikatupotoshe katika imani. Qu'est-ce qui se passe? Les expériences peuvent nous écarter de la foi. Shuhuda zinaweza zikatupeleke mbali na imani. Et aussi désorienter de la vérité. Na kutupotosha katika kweli. L'expérience ne peut pas être érigée en critère absolu de vérité. Kila ushuhuda huna haki ya kuaminiwa moja kwa moja kwamba ni wa kweli. Si cela n'est pas examiné et étudié correctement. Kwanza huo ushuhuda uchunguzwe na upimwe kwenye neno. Et que le Saint-Esprit ne l'a pas confirmé. Na baadaye Roho Mtakatifu mwenyewe aje authibitishe. Faites attention, toute conviction ne vient pas seulement de Dieu. Iweni makini, si kila maono yanatoka kwa Mungu. Car lorsque Satan veut tromper une personne, sababu shetani akitaka kumdanganya mwanadamu, il fera en sorte que vous croyez et vous acceptez ses atakulazimu uamini na kukubali hayo maneno. Alors le Saint-Esprit vous aidera au discernement. Hapo naomba Roho Mtakatifu awasaidie katika kupambanua. Je lui ai posé la question, pasteur. Niliuliza huyo mchungaji. Mchungaji. Tu dois coucher avec 5 femmes mariées. Ati uzini na wanawake 5 walioolewa. Et les fidèles de ton église. Na tena waumini wa kanisa lako. Et là, mais qu'est-ce que je peux faire? Akasema sina namna nyingine. C'est un grand prophète. Ni nabii mkuu aliyokuja kuniambia hilo jambo. Je dois parler aux femmes. Kwa hiyo nitaambia wanawake hilo jambo. Je dois leur dire. Nitawaambia. Ma fille, je sais que tu es mariée. Binti yangu najua umeolewa. Mais on doit faire ça pour l'intérêt de l'église. Lakini kwa ajili ya faida ya Mungu lazima tufanye hili jambo. On doit le faire pour l'intérêt de l'église. Tulifanye kwa faida ya kanisa. Sans le discernement.
bila upambanuzi. Faites attention. Iweni makini sana. Bien sûr que nous sommes édifiés par les témoignages. Ndio, shuhuda zinatujenga. Mais ce que je vous avertis ce soir. Lakini ninachowaonya jioni ya leo. Soyez plus prudent. Iweni makini sana. Avec le témoignage détaillé, avec plus de détails. Iweni makini sana kwa shuhuda za watu ambao walikuwa wachawi. Bien aimé. Ambao wanakuja na wanakushuhudia na details. Sois prudent. Uwe makini sana ndugu. L'église n'est pas bâtie par les témoignages, par des témoignages des anciens sorciers. Kanisa katika historia yake yote alijajengwa na shuhuda za wachawi wa zamani. Vous aimez des explications méticuleuses. Nyinyi mnataka sana maelezo ya mambo ya kichawi kichawi. Mnayapenda sana. L'ancien sorcier arrive. Quand j'étais dans la sorcellerie, mchawi wa zamani anakuja, on mangeait comme ça. Nilipokuwa mchawi tulikuwa tunakula hivi. Comme ça. Tulikuwa tunafanya watu hivi. C'est détail méticuleux. Na anakuletea details za kichawi kabisa. Va maintenant attirer notre sasa, curiosité. Sasa unaposikia zile details za kichawi et les gens disent, unataka usikilize sana. Nous sommes édifiés. Unasema ai hapa tunajengwa hapa kabisa. Quand on volait la nuit. Anakuambia tulikuwa tunaruka usiku. Si la vie, si l'hôtel de Dar es Salaam. Tunaenda juu ya Dar es Salaam tunaenda. On jetait les trucs en bas. Tunatupa vitu pale Dar es Salaam. On faisait ceci. Tunafanya hiki kile. Les gens, na unasema ii. Là l'église est remplie, pleine. Hapo unakuta kanisa linaja. Ils sont là. Watu watakuja katika ibada kama hizo. Eh, regardez comment je volais la nuit. Na muone kisi nilikuwa ninaruka usiku. Je faisais ceci, je faisais cela. Nilikuwa nafanya hiki, nafanya kile. Watu wanasema hii. Seigneur Jésus, c'était comme ça. Ndio hivyo Mungu. Un jour je tuais un enfant. Anaanza sasa anakuambia siku moja niliua mtoto. Nilikupa la tête. Nilimkata kichwa. Eh, unasema hii. Seigneur. Mungu alikata kichwa. Évitez des explications méticuleuses. Iweni makini na shuhuda kama hizo. Oui, dit tout ce qu'il faisait là-bas. Ambapo anaeleza mambo yote aliyofanya kweli. Et vous allez maintenant voir l'église est enthousiasmée. Sasa shuhuda kama hizo unaona kanisa lote linasisimka. Un jour quand je sortais. Ana shuhuda anasema siku moja nilipokuwa ninatoka. J'ai sauté mon frère. Nikamtambuka ndugu yangu. Et puis j'ai bougé mes ailes comme ça. Baadaye nikaota mabawa nikayatikisa. J'ai dit sois envoûté. Nikasema wewe tunakuloga leo. On ne refuse pas, ils peuvent témoigner. Atukatai yawezekana Mungu alimgusa anaweza akaja akasema. Il doit dire ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. Lakini shuhuda kubwa sio uchawi wake lakini ni kile Yesu alichofanya maishani mwake. Si je fais cela. Aje ashuhudie Yesu alinifanyia hiki. Voilà aujourd'hui ce que Dieu a fait dans ma vie. Ona Yesu alichonifanyia sio uchawi wake. Je peux accepter facilement les témoignages d'un vrai chrétien mais Dieu l'a amené à expérimenter les activités des sorciers. Nafikiri mimi upande wangu naweza kubali haswa ushuhuda wa mtu aliyekuwa mtu wa kawaida au Mkristo Mungu akambeba ili aone mambo ya kichawi. Ole témoignage d'un féticheur. Lakini si ushuhuda wa mchawi ambaye anakuja kushuhudia uchawi wake. Ole féticheur. Ambaye anasema mimi nilipokuwa mchawi nilifanya hiki na kile. Cette démarche est très dangereuse. Barabara hiyo ni nzito na ni mbaya sana. Tout ce qu'il faisait là-bas c'est le mensonge. Kwanza alichokuwa anafanya yeye ni Satan était menteur et manipulateur. Shetani alimkuwa na yeye na alimuongoza na kumtumikisha. Il faut écouter de tels témoignages avec beaucoup de précaution. Sasa unaposikia shuhuda kama hizo uwe makini sana. Satan est le père des mensonges. Sababu shetani ni baba wa uongo, anaweza akadanganye. Jean 8 verset 44. Yohana 8:44. Il est le père des mensonges. Yeye ni baba wa uongo. Donc si cet ancien sorcier est sauvé, c'est parce que Dieu l'a révélé que tout ce que tu faisais là-bas, c'est les mensonges. Ikiwa huyo mchawi wa zamani ameokolewa, maana yake Mungu alimfunulia kwamba vyote ulivyokuwa unafanya ni uongo. Est-ce que l'église a besoin de ces mensonges encore? Sasa je, kanisa inaja nini? Inaja kweli na ule uchawi wake wa zamani? Parce qu'il a été sauvé parce que c'était les mensonges. Sababu yeye aliokolewa sababu alivyokuwa anafanya ni uongo. Alors nous demandons maintenant à celui qui disait des mensonges, qui faisait les mensonges, de nous relater ces mensonges pour nous édifier. Sasa sisi tuna kuja sasa mtu ambaye alikuwa katika uchawi wake, uongo wake, anakuja kutushuhudia uchawi, uongo wake ili kutujenga. Hiyo ni kweli? Yohani, lize baba. Ninyi ni wa baba yenu ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo,
wala hakusimama katika kweli kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Amen. Il est le père des mensonges. Yeye ni baba wa uongo. La sorcellerie c'est le mensonge. Na uchawi wote ni uongo. La pratique c'est le mensonge. Matendo yao ni yake uongo. Alors bien aimé, il faut beaucoup de précautions. Kwa hiyo nataka muwe makini sana na shule. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas écouter. Sisemi eti ampashe kusikiliza. Mais écoutez avec discernement. Vous ne pouvez pas écouter sans discernement. Msikilize na mkiwa na upambanuzi wa kiroho. Et la Bible doit rester le centre de la vérité. Na yote katika yote, Biblia ibaki ndiyo kweli kamili. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous étions à la recherche d'une autre vérité. Tusiishi maisha kama vile kuna kweli nyingine ambayo tunatafuta. Il n'y a pas d'autre vérité. Hakuna kweli nyingine. Il n'y a pas d'autre vérité à connaître. Hakuna kweli nyingine ya kujua. La plus grande vérité. Ukweli mkubwa zaidi. Jésus est mort pour nous. Yesu alikufa kwa ajili yetu. Ressuscité pour le salut de l'humanité. Na hiyo ni kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Na yeyote atakayemwamini Yesu hata kufa atapata uzima. Alors quelle vérité tu cherches encore à connaître? Sasa unataka kujua kweli nyingine ipi? Il n'y a pas de plus grande vérité que cela. Hakuna kweli nyingine zaidi ya hiyo. Il n'y a pas de plus grande vérité. Hakuna kweli kubwa zaidi. Je ne vous interdis pas d'écouter. Sikatai kwamba msisikilize. Mais pourquoi tous les matins tu es sur ton téléphone en train de chercher qui a fait vie ceci, qui a vie cela? Lakini kwa nini kila siku wewe uko tu kwenye simu unatafuta shuhuda? Nani aliona hiki? Nani aliona? Mchawi nani ameshuhudia? Kwa nini? Quelle vérité tu cherches encore? Kwa nini hautafuti ukweli humu? Unataka wengine ukweli upi? Pourquoi la Bible devient insignifiant à nous dire la vérité? Kwanini hausomi Biblia? Kwanini kwako Biblia haina maana? Le cœur là de l'insatisfaction que tu as de la parole, hiyo roho hiyo iliyo ndani yako ya kutokurizika na neno na kutafuta tafuta shuhuda, hiyo sio roho ya kweli. On voit dans les téléphones témoignage, 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 témoignage. Kila siku kwenye simu yako tunatafuta ushuhuda, ushuhuda, ushuhuda. Le diable est un menteur. Shetani amesha kukudanganya tayari. Écoutez la prédication, les enseignements. Sikiliza mafundisho hapa mahubiri ya mchungaji wako. Écoutez les témoignages avec beaucoup de précaution. Na ikibidi usikilize ushuhuda basi usikilize kwa makini sana. C'est très important pour la croissance de l'église. Kitu muhimu kwa ajili ya kukomaa kwa kanisa. Que je vous pose la question ici. Ni hicho. Hebu niwaulize hapa. Combien de versets bibliques tu sais? Unajua verse ngapi za Biblia? Kila verse ya Biblia tiko. Unajua verse ngapi za Biblia wewe kama wewe? Tiko tule témoignage. Lakini shuhuda hivi unajua wote walioshuhudia. Unajua kuna mama alishuhudia huko. Avi ceci. Aliona hiki. Toutes les femmes qui mangent le poulet n'entreront pas au ciel. Oh, kuna mama mwingine amesema wote wanaokula kuku hawataingia mbinguni. Ils sont sortis là-bas. Mwingine ametoka kule. Avi porter les vêtements jina amen en enfer. Alisema eti ukivaa nguo ya marangi rangi utaenda kuzimu. Nimeona mwingine huko. Porter des vêtements brodés amène en enfer. Et tu qui va nguo za namna fulani utaenda kuzimu. Des vêtements qui a des fleurs amène en enfer. Et tu qui va nguo yenye maua maua utaenda kuzimu. Et toutes ces choses là remplies dans sa tête. Sasa hayo mambo mambo yote yanajaa. Il oublie que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Na unasaulika kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako. Na yote inajaa katika neno. Demeure dans la parole. Yote iko katika neno. L'église est bâtie par la parole. Kanisa linajengwa na parole, neno. Parole, parole, parole. Neno, 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 neno. Que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Hichi kitabu cha sheria kisitoke katika kinywa chako. Arrêtez la crainte d'excitation. Acheni Ukristo wa kutafuta tafuta mashuhuda. Vous êtes toujours exalté, exalté, exalté. Acheni Ukristo wa kusisimuka, sisimuka. Wewe unajua tu misisimuko, sisimuko tu. Tous les jours dans les recherches. Kila siku kutafuta tafuta mashuhuda. Qui a vu? Qui a vu? Nani mwingine ameshuhudia? Nani mwingine ameshuhudia? Pasteur, c'est dernier temps tu as découvert quoi encore? Mchungaji umepata kile kitu gani siku hizi? Est-ce qu'il y a personne ici qui témoigne? Hakuna mwingine ambaye ameshuhudia siku hizi mbili tatu. Pasteur Robert, le prophète Aston a fini son témoignage. Mchungaji Robert bwana, shuhuda Aston imeisha. Hakuna mwingine. Moi j'ai découvert encore une femme là-bas. Nimepata mama mwingine kule anashuhudia. Elle est au coin là-bas. Yeye yuko kule anashuhudia. Elle aussi dit des choses. Yeye naye anasema mambo. Appelle-la. Mumlete hapa aje. L'église est maintenant dans l'excitation. Sasa ndo mnakuta kanisa linajaa watu. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Tutafanya nini? Quelle église? Hilo ni kanisa gani sasa? Kanisa gani, kanisa kama hili? Où l'enseignement ne dirige plus l'église. Kanisa linaongozwa na mafundisho ya neno. Voici la règle pour suivre le témoignage.
Nataka niwape vigezo ili kusikiliza shuhuda. Première règle. Kigezo cha kwanza. Confronter les informations glanées de l'expérience à celles des écritures ou bien de l'écriture. Kwanza, chunguza taarifa zote katika huu ushuhuda na Biblia. Chaque fois quelqu'un te dit quelque chose, kila wakati mtu anapokuambia jambo fulani, ça peut être une ver... vous devez savoir que la Bible dit parfois des choses d'une manière codifiée. Unapaswa mtambue ya kwamba Biblia wakati mwingine inaongea mambo katika namna ya siri. Vous devez toujours examiner la lumière de la parole. Kwa hiyo kila jambo lolote lichunguze kwenye mwanga wa neno. La véritable église. Sikilizeni kanisa la kweli. Actes des apôtres chapitre 17 verset 11. Matendo ya mitume 17:11. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonica. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thessalonica. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Et ils examinaient chaque jour les écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndio yalivyo. Est-ce que c'est exact? Je ni ndivyo yalivyo? C'est exact. Je ndivyo yalivyo? Examinez la parole. Chunguza mambo kwenye neno. On doit aussi faire place à certaines informations tirées de l'expérience. Ndio ni vizuri tunaweza tukashike baadhi ya taarifa. Deuxième règle. Kigezo cha pili. Unaweza ukakubali baadhi ya taarifa ambazo unapata katika ushuhuda. Avec prudence et discernement. Lakini kwa umakini sana na kwa upambanuzi. Mais il ne faudrait pas en faire une règle de la foi. Lakini usifanye ushuhuda kuwa kama vile sheria ya imani lako. Mais on doit laisser une place à l'église pour les expériences. Lakini pia ni vizuri kusikiliza shuhuda. Avec beaucoup de prudence et de discernement. Lakini kwa umakini mwingi na upambanuzi. Nous examinons aussi. Na kuchunguza pia. Nous lisons aussi la Bible. Na kusoma Biblia. Tu as vu ceci, oui, c'est bien. Uliona hili ndio ni nzuri. Je suis allé prêcher quelque part. Kuna mahali fulani nilikwenda kuhubiri. À la fin, une femme est venue me voir. Mwisho mama moja akaja kuniona. Elle m'a dit, l'homme de Dieu, j'ai écouté ton témoignage. Akasema mtu wa Mungu nimesikia ushuhuda wako. Que les femmes ne peuvent pas prêcher. Umesema kwamba wanawake wasihubiri. Je lui ai donné les textes bibliques. Nikampatia andiko. Qui interdisait les femmes au ministère de la parole dans une église mixte. Ambalo linakataza wanawake kuhubiri katika kanisa. Elle m'a dit, moi aussi. Akasema mimi pia. Dieu m'a fait une exception. Mungu amenifanyia exception kabisa. La Bible nous enseigne. Biblia inatufundisha. Que Dieu ne fait pas exception des hommes. Kwamba Mungu bila favoritisme. Na wala Mungu hana kipendeleo. Elle m'a dit ceci. Yeye akaniambia. Je sais ce que tu dis est biblique. Mimi najua unachokiongea kabisa kiko katika Biblia. Ninaamini kwa hiyo tuliyoyaona. Mais nous allons faire expérience contre expérience. Lakini nataka sasa tulinganishe ushuhuda na wako na wako. Elle m'a dit moi. Huyo mama akaniambia mimi. J'ai vu le Seigneur. Niliona Bwana. Jésus venu me voir la nuit. Yesu alikuja kwangu usiku. Elle m'a pris par la main. Yesu akanishika mkono. Nous sommes allés ensemble à l'enfer. Tukaenda pamoja na Yesu kuzimu. J'ai vu aussi l'enfer. Na mimi pia nimeona kuzimu kama wewe. Je vis cela. Niliona iki. Jésus m'a amené aussi au ciel. Yesu akanibeba pia mbinguni. Et après que nous avons fini nos voyages. Na baada ya kumaliza safari zetu. La femme là me dit ceci. Yesu akaniambia. Jésus m'a dit. Eti Yesu aliniambia. Ma fille. Binti wangu. Les femmes ne peuvent pas prêcher. Wanawake hawawezi kuhubiri. C'est-à-dire dans une église composée des hommes et des femmes. Maana yake katika kanisa la wanaume na wanawake. Mais toi je t'envoie. Lakini wewe mimi nakutuma. Va bâtir une église. Nenda ukajenge kanisa. Et bâtir une communauté. Na uwe na kanisa. Mais maintenant. Lakini sasa. Que je crois ce que toi tu dis à Aston. Sasa unataka niamini mambo yako wewe. Je crois ce que Jésus m'a dit. Au niamini Yesu alivyoniambia. J'ai dit bon. Nikasema mama sawa. Ne crois pas ce que moi je dis. Usiamini yangu. Crois la Bible. Lakini amini Biblia. Il m'a dit entre la Bible et Jésus qui est plus grand. Ole mama akanijibu sasa kati ya Biblia na Yesu nani mkubwa? Que je crois Jésus qui m'a dit ou je niamini Yesu aliyeniambia au niamini Biblia yako? Je dis ceci. Nikamwambia mama hivi. Dieu Mungu ne peut pas contredire sa parole. Hawezi lipinga neno lake. Cela prouve que ce n'est pas le vrai Jésus. Inaonyesha huyu Yesu wako sio Yesu wa kweli. Celui que tu as vu là n'est pas le vrai Jésus. Huyu Yesu uliyekutana naye si Yesu wa kweli. C'est le vrai Jésus. Akasema hapana ni Yesu wa kweli. Il brillait comme de l'or. Alikuwa na ngara kama dhahabu. Des cheveux blancs. Alikuwa na nywele nyeupe. Il avait des cheveux brodés. Alikuwa na nywele nzuri. J'ai dit Nikamwambia écoute la parole. Sikiliza neno. Non!
Jésus est plus grand que la Bible. C'est lui-même qui a donné la parole. C'est lui-même qui m'a dit. J'ai dit, ici il est écrit. Que à Dieu il n'y a pas de favoritisme. Il dit non. Moi je crois à Jésus. Mimi ni Yesu wangu. D'ailleurs ça sert à quoi? Kwanza hii inasaidia nini? C'est Paul qui a dit. Hii si ni vitu vya Paulo. Moi aussi je peux dire. Na mimi pia naweza sema kama Paulo. J'ai dit il y a un problème. Nikasema mama utakuwa una tatizo. À la fin de la Bible on dit. Sababu mwisho Biblia inasema que personne ne retranche ni n'ajoute. Kusiwe mtu akongoza wala kupunguza. Donc il n'y a plus d'espace ici pour ajouter. Kwa hiyo mama wewe uwezi ongea kama Paulo. Utaongeza chochote hapa. Paul a dit. Kwa hiyo yote aliongea Paulo. Ça a été scellé. Imeshapigwa muhuri. C'est la parole. Ni neno la Mungu sasa. Donc ici il n'y a que des couvercles. La couverture. Hapa kuna tu vijarata. Il n'y a que la couverture. Hapa kuna vijarata. Donc tes paroles ne peuvent plus remplacer ici. Kwa hiyo maneno yako hayawezi ongezwa tena. Je dis c'est pas le vrai Jésus. Wewe huku kutana na Yesu wa kweli. Tu veux que moi je crois ce que tu dis? Akasema unataka niamini tu shuhuda yako. Je dis ma fille crois ce que la parole. Nikamwambia usiamini hata shuhuda yangu, amini neno la Mungu. Enemy de la parole. Ndugu yangu unapokuwa adui wa neno. Sous prétexte des expériences. Kwa sababu ya shuhuda. C'est que tu entres en enfer. Maana yake utaenda kuzimu. Quelle expérience? Hakuna ushuhuda wowote. Ne peut s'opposer à la Bible. Ambao unaweza kuja kupinga Biblia. Amini. Croyez-la. Amini. Croyez-la. Amini. Croyez-la. Amini. Croyez-la. Amini. C'est la livre de la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité à connaître. La seule vérité est Jésus-Christ le Seigneur. Sauveur de l'humanité. Il sauve les pécheurs. Il prend les hommes de la terre et les conduit au ciel. Quelle vérité! Quelle vérité encore! Troisième règle. Kigezo cha tatu. Il faut respecter la sobriété de l'écriture. Heshimu ta nyaraka za maandiko. De Timothée chapitre 3 verset 16. Timothée wa pili 3:16. Ne faites pas jouer un rôle cardinal à des expériences spirituelles. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao. Na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Amen. Pour un chrétien, c'est l'écriture qui doit rester la norme de la foi. Kwa mkristo ni andiko ndo linapaswa kubaki msingi wa imani lake. Et de la vie en Christ. Na msingi wa maisha yako katika Kristo. Les enseignements bibliques. Mafundisho ya Biblia. Fournit un cadre dans lequel les expériences peuvent s'inscrire et s'interpréter. Mafundisho ya Biblia yanatutoshea taswira ambayo kila shuhuda lazima iheshimu hiyo. Il y a déjà des dispositions bibliques. Ina maana tayari kuna mipaka na taswira ambayo tumeshapewa kutoka katika maandiko. Le témoignage doit être interprété par la lumière de la Bible. Kwa hiyo basi kila shuhuda lazima itafsiriwe kwa mwangaza wa Biblia. Selon les quatre branches de la parole. Kulingana na hizo aina au vitengo vinne katika neno. Une expérience spirituelle. Ushuhuda au experience ya kiroho. Peut être interprété par la doctrine. Inaweza kutafsiriwa na fundisho. La connaissance. Maarifa. La prophétie et la révélation. Unabii na ufunuo. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Wakorintho wa kwanza 14:6. C'est les quatre langages que Dieu nous parle. Na ni kwa lugha hizo ine Mungu anazungumza na sisi. Certains témoignages peuvent être compris que lorsqu'elles sont expliquées par la doctrine, pardon, une expérience ne peut être comprise que lorsqu'elle est expliquée par la doctrine, par la connaissance, par la révélation ou bien soit par l'enseignement qu'on appelle la prophétie. Kuna baadhi ya experience zinaweza zikaeleweke kama zimetafsiriwa kulingana na maandiko ila kulingana na ufunuo, kulingana na unabii, kulingana na maarifa na kulingana na nyaraka moja kwa moja. C'est les quatre niveaux où on enseigne à l'église. Na ni hizo ngazi nne ambazo zinafundishwa. Nous enseignons par la doctrine. Tunafundisha kwa fundisho. Nous enseignons par la révélation. Tunafundisha kwa ufunuo. Par la connaissance. Kwa maarifa. Soit par la prophétie. Au kupitia unabii. Selon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Kulingana wa Korinte wa kwanza 14:6. Voilà. Sawa. Lisez les textes. Ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha nitawafaidia nini isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo
au kwa njia ya elimu, au kwa njia ya utuba, au kwa njia ya fundisho. Amen. Voilà ce que je disais, je vais dire maintenant. Ona nataka kuongea sasa. Il n'est pas pour autant interdit de faire appel à l'expérience. Haikatazwi kwa mtu kusikiliza ushuhuda. Pour certains détails et précisions. Kwa ajili ya kuelewa baadhi ya mambo kwa undani zaidi. Mais le témoignage ne doit pas combattre la parole. Lakini ushuhuda haupashi kupiganisha neno. Il n'y a aucune proposition doctrinale fondée uniquement sur le vécu. Hakuna msingi wowote katika imani la Kikristo ambao umejengwa tu kupitia shuhuda uliyoiona. Qui ne peut pas être imposé comme une règle de l'église. Na wala shuhuda haipashi kuwekwa kanisani kama vile utaratibu wa kanisa. Tout ce que nous tirons des témoignages et des expériences. Yote tunayoyapata kupitia shuhuda na experience. Si nous ne les comprenons pas par la doctrine, on peut les comprendre par la prophétie, par la révélation ou par la connaissance. Kama yaelewi kupitia mafundisho, tunaweza kuyaelewa kupitia ufunuo, kupitia unabii na toute expérience divine doit nous conduire tout droit vers la parole. Kila experience ya kiroho lazima ituongoze kwenye neno. Voici ce que je vous interdis comme étant un prédicateur. Sikiliza kile ambacho nataka niwakataze mimi kama mhubiri. Ne demandez pas à un chrétien. Usimuulize kamwe mkristo. De croire à une expérience. Aamini kwenye experience. Non explicitement biblique. Ambayo sio ya kibiblia. Soit qui contredit surtout la Bible. Haswa hizo shuhuda zinazopinga Biblia. Vous invitez quelqu'un pour témoigner. Unapoalika mtu ili kuja kushuhudia. Et qu'il commence à dire des choses. Na aanze kuongea mambo. Ça peut être des choses nouvelles par exemple. Yanaweza yakawe mambo mapya kwa mfano. Mais tellement que vous n'avez pas peut-être la maîtrise de l'enseignement doctrinal. Lakini, ou bien des enseignements doctrinaux, des enseignements des révélations, de la profession, de la connaissance. Kwa vile jinsi hauna experience katika mafundisho, katika mambo ya ufunuo, mambo ya kinabii. Le Saint-Esprit va vous convaincre avec un texte biblique. Roho Mtakatifu atakushawishi kupitia andiko la Biblia. Mais si la personne commence à dire les choses. Lakini yule mtu akianza kuongea mambo. Imagine par exemple je viens ici. Embu fikiria kwa mfano nije hapa. Je vous dis qu'il ne faut pas manger ceci ou cela. Nianze kuambia msile hiki msile kile. Et que la Bible nous enseigne que tout ce qu'on vend au marché est mangeable. Na huko Biblia inatufundisha chote kinachouzwa sokoni kula. On dit parfois ne mangez pas KFC. Waweza kuambia wakati mwingine msile kitu fulani. Tout ce qu'on va à KFC, c'est KFC parce que KFC. KFC. Yes. Kwa mfano vyote ambavyo vinauzishwa KFC. Ne mangez pas les trucs qu'on va là-bas par exemple. Msile vitu ambavyo vinauzishwa KFC, shuhuda hiyo. Qu'est-ce qu'on va là-bas? Nini kinauzwa kule KFC? On va des gâteaux. Kule kuna uzishwa, des frites, kuna uzishwa des poulets, kuku. Imaginez par exemple. Embo wazia kwa mfano. Bon, donnez-vous même la réponse. Sawa, mtajipa jibu nyinyi wenyewe. Parce que le pasteur m'avait posé cette question, je n'ai pas encore reçu la réponse, mais je savais que je dois poser ça à l'église. Sababu mchungaji pia aliniuliza hilo swali eti kama tusile vitu vya KFC. Je vous pose la question maintenant. Nakuuliza sasa mchungaji. Ta manger ou ne pas manger? Je tule au tusile? Lisez la parole. Someni neno. Imaginez quelqu'un barre d'ici et dit non, il ne faut pas porter des vêtements qui ont des dessins comme ça. Embozia mtu atoke toa paseme usivai nguo zenye kuwa na picha. Lisez la parole. Someni neno. Voyez, la parole est très importante. Unajua neno ni kitu muhimu sana. Tu vas facilement connaître des futilités, des balivernes que tu vas directement balayer, effacer, puis tu continues ta foi. Sababu wakati unasoma neno kiupesi sana utaelewa mambo ya kijinga kijinga ya kitoto kitoto na unayatupa na unaendelea na safari yako ya Ukristo. Nous ne sommes pas appelés à être embourbés par des connaissances qui ne viennent pas de Dieu. Sisi ni wa Kristo hatuitwi ili tujazwe na elimu ambayo haitokani na neno la Mungu. Chaque fois quelqu'un a quelque vécu en lui-même. Kila wakati mtu anapokuwa na shuhuda zake binafsi. Il souhaite le faire comme une loi. Sasa yeye anatamani alizifanye shuhuda zake kama sheria. Sikilizeni. Chaque témoignage a une influence de la vision de la personne. Kila ushuhuda unachangia ndani na ushawishi wa yule muonaji. Alors il faut toujours savoir examiner à la lumière de la parole. Kwa hiyo chunguzeni kila kitu kwa mwanga wa neno. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Soyez une église bâtie sur les enseignements. Iweni kanisa ambalo limejengwa kwa mafundisho. Je n'aurai pas la force de diriger la prière aujourd'hui. Sina nguvu leo za kuongoza maombi. Je crois que demain on va sérieusement prier.
Naamini kesho tutaomba. Mettons-nous d'abord debout. Naomba tusimame sote. Nous allons dire à Dieu. Tutamwambia Mungu. Tu as établi dans cette église ton serviteur pasteur Obed. Umeweka katika kanisa hili mtumishi wako mchungaji Obed. Remplis-lui de toutes sortes de connaissances. Mjaze maarifa yote. Remplis-le de toutes sortes de savoirs spirituels. Mjaze kila maarifa yote ya kiroho. Qu'il nous enseigne des choses qui vont nous sauver. Ili atufundishe mambo yatakayotuokoa. Et orienter tous les invités qui viennent ici à l'église. Na aweze pia kuongoza walikuwa wote wanaokuja kanisani. Qu'il nous enseigne la vérité. Atufundishe kweli. Prions au nom de Jésus-Christ. Karibu, tuombe kwa jina la Yesu Kristo. Priez, priez, priez. Homba, 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 homba. Écoutez-moi. Nisikilizeni. Qui n'ont pas reçu le livre? Wangapi awakupa... Avant que nous continuions la prière, qui n'ont pas reçu le livre? Wangapi awakupata vitabu? Levez juste la main là où vous êtes. Naomba uinue mkono hivi kama hujapata kitabu. Voilà. Venez prendre. Sawa. Njoo uchukue ambaye hajapata kitabu. Moi-même je vais régler ça avec les pasteurs. Mchungaji mimi napana tu utanidai hizo pesa mimi. Venez prendre. Njoo ni mchukue kitabu. Distribuez aux gens. Je vais vous donner l'argent de l'impression, tout ce que vous avez fait. Donnez ça gratuitement aux gens. Prenez. Je vais vous donner au pasteur l'argent pour faire d'autres impressions. Voilà. Nous continuons la prière. Continuez de prier, prier, prier. Wengine tuendele kuomba, ambao tuendele kuomba. Na wanaohitaji vitabu wanakuja kuchukua. Maintenant, nous allons encore prier. Écoutez-moi. Nisikilizeni. Nous allons dire à Dieu. Tutamwambia Mungu. De nous revêtir de l'autorité spirituelle. Kwamba atuvike mamlaka ya kiroho. L'autorité qui nous rend capable. Mamlaka yanayotuwezesha. De se défendre spirituellement. Kujitetea kiroho. Prions au nom de Jésus-Christ. Omba kwa jina la Yesu Kristo. Montrez le nombre de tout ce que vous avez donné aux gens. Homba, 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 homba. Priez, 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 priez.
Levez les mains, priez, 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 priez. Homba, 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 homba. Écoutez-moi. Nous allons dire à Dieu tout orage, toute puissance maléfique, toute méchanceté du diable érigée contre ma destinée soit châtiée par la colère de Dieu. Je proclame la victoire en Jésus-Christ dans tous les domaines de ma vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Katika maisha yangu yote niwe mshindi. Omba kwa jina la Yesu Kristo. Priez, 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 priez. Homba, 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 homba. Priez, 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 priez. Homba, homba. Écoutez-moi. Nisikilizeni. Demain. Kesho. Nous serons ici à l'église. Tutakuwa hapa kanisani. Ne mangez pas les matins jusqu'à 13h. Msile asubuhi hadi saa 7. Mangez après 13h. Mtapata chakula baada ya saa 7. Un culte de délivrance. Tutakuwa na ibada ya kufunguliwa ya maombi. Et des prières intenses. Na maombi mengi sana. Nous allons passer un bon moment dans la prière. Tutakuwa na muda mwingi sana katika maombi. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki.